Je vais mettre un peu de musique et on va pouvoir commencer tout ça. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on partirait sur notre playlist de base. Comme d'hab. Ok. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Merci Stream Elements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Pas grand-chose de spécial. On va surtout dessiner. Et j'ai prévu aujourd'hui de faire un truc qu'on avait fait il y a un petit moment déjà, qui est du dessin d'observation et de modèles vivants. C'est un truc que je kiffe faire, surtout que j'aime beaucoup dessiner des humains. Comme j'aime beaucoup filmer des humains, c'est une de mes trucs. Genre, je trouve que les expressions faciales, le corps, tout ça sont des trucs giga intéressants chez les humains. Mes cheveux me stressent. En fait, j'ai le ventilateur qui me saoule dedans, ce qui fait que mes cheveux partent en couille. Bon, ça ira. Et donc, c'est un truc que je surkiffe parce que, genre, l'être humain est vachement complexe, ce qui fait que, genre, le dessiner et puis le faire prendre vie, je trouve ça vachement intéressant. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, de dessin vraiment tranquille, où on va s'améliorer, comprendre des trucs. Comme d'habitude, c'est le début, il est 15h, on y va doucement. Et puis après, on montera un peu dans les tours, je vous montrerai deux, trois. Enfin, j'ai un tableau Pinterest, je crois qu'il est privé, mais si vous voulez, je peux le mettre en public. Au-dessus, j'ai plein de références humaines. Que je peux vous partager si ça vous intéresse. Sinon, dans l'ensemble, rien de spécial, on va juste dessiner et puis on va taper un kiff. Alors, il y a juste un truc que je suis content. J'ai réparé Sunday, donc normalement j'ai juste vérifié ça, mais si je lui dis par exemple. Voilà, Sunday refonctionne. Et donc au dernier live, il ne fonctionnait pas parce que genre j'avais du mal à activer ce avec quoi je. Fait fonctionner Sunday. Sinon, vous pouvez toujours demander à Sunday qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comme d'habitude. Voilà. Et donc, ouais, comme d'habitude, si vous avez des liens à proposer, comme Sunday en parle, vous pouvez toujours les poster, je les regarderai tranquillement et comme ça on peut avancer et faire des trucs si vous avez plein d'idées et tout. Je suis preneur. Aujourd'hui, j'ai tout préparé, je suis trop content. J'ai vérifié que le stylet fonctionnait bien. Attends, je vais revérifier parce que sinon je paraîtrais un peu con. Ouais, c'est bon. J'ai vérifié que le stylet fonctionnait bien. J'ai eu des soucis pour le faire démarrer. C'est pour ça que le live commence à 15h alors que je suis prêt depuis 14h. Ça fait 1 heure que je règle que des soucis. J'ai fait en sorte que si on en avait envie, et là-dessus je sais pas encore, on pouvait aller dessiner sur tablette. Et vous le verrez en stream, et ça c'est cool. J'ai fait en sorte que tous les problèmes soient réglés pour que tout se passe bien. Donc normalement, on devrait passer une bonne après-midi à dessiner. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, on va commencer, parce que j'ai pas envie de vous faire patienter, ni quoi que ce soit. C'est parti, c'est pas ça que je voulais faire. Et c'est parti. Ok. Donc on se retrouve sur Clipsy Paint, comme d'habitude, un de mes logiciels préférés. Si on voudra plus tard, on pourra peut-être s'amuser à aller sur mon superbe, sur su le superbe Procreate. Mais pour l'instant, on verra. On reste sur les bases. Je sais que ça fonctionne, donc voilà. Le seul truc que j'ai pas avec Procreate, c'est que en fait, pour qu'il puisse fonctionner et que les images arrivent sur mon PC, il faut utiliser le Wi-Fi parce que genre c'est du screen mirroring. Alors c'est pas une technologie qui utilise énormément internet, mais ça en utilise pas mal en vrai. Si je ne le fais pas, c'est plus parce que je vais monter un peu la musique parce qu'elle me paraît un peu basse. Est-ce que c'est pas Spotify que j'ai baissé moi par hasard? Spotify. Voilà. Ok. Là, on est mieux. Donc, ça devrait être plus agréable comme ça. Ouais, le souci c'est que vu que ça utilise internet et que j'ai pas une connexion folle, j'ai pas envie de m'amuser à rajouter des trucs qui passent sur internet et je préférerais m'amuser à vous proposer un stream qualitatif plutôt que ça. Donc, comme d'habitude, on va commencer tranquillement. J'ai pris ce modèle-là parce que je le trouvais assez cool dans le sens où il a des proportions vachement jolies. Le genou qui est à l'avant va nous donner un peu de difficulté. Donc je me dis ça pourrait être vachement intéressant de commencer avec ça. Ouais. Donc
Donc, comme d'habitude, je vais commencer par faire les trucs de base hein, qu'on fait tout le temps, ça veut dire commencer par la tête. Je place des traits très forts qui vont permettre de positionner les éléments. Donc, on a une tête, on descend comme ça. Je vais placer d'abord les épaules. Donc, on a les épaules qui font un angle léger parce qu'elle a une épaule plus haute que l'autre, si vous regardez bien. Donc, j'ai placé ça. Donc là, on aura son épaule, hein. Comme ça, comme ça. C'est un peu bizarre de le faire comme ça, mais vous verrez, ça prendra du sens un peu au fur et à mesure. Ensuite, on va descendre tout droit pour suivre donc la ligne de son ventre qui fait à peu près comme ça. Et je sais pas trop par ici, je pense. On arrive donc à son bassin avec son corps qui fait donc qui vient là. Parce qu'en fait, là, on a la cage thoracique qui vient ici. Hop, on a sa cage thoracique qui vient là, je crois. Un truc un peu comme ça. Donc là, on a sa cage thoracique qui vient là. Sa chair qui revient là. Et par ici, on a le bassin. Le bassin fait un truc un peu spécial parce que, genre, moi, je vois un peu comme ça. C'est un peu particulier. J'essaie de dessiner son... la partie basse de son bikini, je dirais. Difficile de trouver des mots clairs. Ok, avec cette partie-là qui est un peu plus haute et cette partie-là qui est un peu plus basse. Je vois ça à peu près comme ça. Et là, on aurait un truc du style son nombril par là. Donc, on va continuer. Donc, à partir de ça, je pense que voilà, là, ça devient assez clair. En fait, ça fait un truc un peu comme ça parce que genre. En réalité, ça fait un truc un peu comme ça, mais c'est un peu complexe parce que, en fait, ce qui vient perturber notre vision est le fait que la jambe vient en avant. Ce qui fait que ça la relève un peu légèrement, ce qui fait que ben, ça change un peu tout ça. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Voilà, avec ses bras qui font un truc comme ça. Pour l'instant, on est sur les bases, sur les traits de mise en place, etc. Donc, faut pas s'y étonner si c'est encore un peu brouillon, hein. Chaque chose en son temps. Voilà. Donc, moi, là, ce que j'aime bien, c'est cette partie-là où, en fait, on va avoir le bassin qui va venir ici et descendre jusqu'en bas pour venir créer une ligne droite. Après, c'est des trucs visuels, hein. J'arrive plus à dessiner. Voilà. Qui va créer une ligne droite qui va venir créer son point d'assise, enfin, son point d'appui. Sinon, elle tomberait. Et là, elle en appuie sur une seule jambe, donc c'est cette jambe-là qui va se retrouver au milieu du corps, en fait. Qui va se retrouver partout par là, je dirais. Alors, j'ai du mal à dessiner les pieds, donc m'en voulez pas trop. Hein. Là, on va avoir donc son bassin avec ses cuisses. Le début de ses cuisses. Hop. Et on va arriver vers donc son genou qui est partout par là. Voilà. De l'autre côté, on va avoir son genou qui sera un peu plus haut. Partout par ici, qui passe devant évidemment. Et on aurait vraiment à avoir un truc un peu comme ça. Donc on a le début de sa cuisse. Je galère. On va faire un trait droit pour l'instant, on comprendra ça plus tard. Ok. Donc là après, donc on a le haut de la partie basse de son deux pièces, qui est juste là. Donc on va avoir la fin de sa cuisse, qui représente une courbe un peu comme ça, qui revient jusqu'au genou. Ça donne une sorte d'ellipse, enfin pas d'ellipse mais plus de cercles allongés. C'est assez simple de dessiner des corps humains avec plein de cercles allongés, c'est tellement pratique. Donc là on a la même chose, un autre cercle allongé, ça c'est cool. Et après on va descendre jusqu'en bas pour pouvoir avoir la fin du pied. J'aime bien ce genre de truc, je trouve ça giga reposant de dessiner des corps humains. Puis en termes de pratique aussi c'est vachement cool. J'aime bien. Et là, on a le pied qui est là et qui est un peu comme droit. Ce qui est chiant à dessiner en vrai. Et j'aime pas trop ça. Mais paye le modèle que t'as choisi, hein, Shen. C'est un peu chiant des fois de choisir des modèles parce que, genre, ils ont tous des petites particularités qui le rendent intéressant, mais qui sont aussi plus durs à dessiner. Je vais commencer par ce bras-là. Donc, là, on a vu qu'on avait l'épaule qui était là. Là, on a l'autre épaule qui est là, qui crée sa courbe. On va voir ces muscles qui vont lui permettre de créer bah, ce bras là, qui me paraît quand même assez gros, on verra.
Et là, la fin du bras. Hop, je viens créer des volumes. Là, il y a son coude, comme d'habitude. Et on relie ça à sa tête, avec un chignon qui est partout par là. Voilà. Donc, ça, c'est pour le début. Et donc, de l'autre côté, c'est pareil. J'ai pas envie d'aller trop, parce que sinon, en fait, si on regarde bien, là, là il y a la main, donc, qui doit sûrement faire des trucs avec son chignon, je sais pas trop. Et on remarquera que sa main ici est plus basse. Donc sa main, elle devrait se situer par là. Là, on a l'interstice entre donc, la partie haute de son bras et la partie basse. Et donc, par prolongement, ça, ça donne les volumes de son bras. L'arrière, ça donnerait un truc un peu plus comme ça. Et après, j'ai juste créé un trait pour l'instant, parce qu'on peut la flemme. Et voilà. Donc on devrait avoir à peu près ça. À peu près, hein. Ouais. Voilà. Et donc là, on a une oreille. Après, on aura ses yeux qui seront partout par là. Et le reste de son visage qui sera partout par là. La ligne de ses cheveux ici. Le reste, c'est ses cheveux, hein. Tac, avec des courbes et tout. Tout joli et tout. Ok. Juste rapidement, si je devais faire ça. Là, il y a la partie haute de son bikini. Tac, tac. Et donc là, c'est la partie basse de son bikini. On n'est pas trop mal, en vrai. On va pouvoir passer sur un peu plus de détails. Et en vrai, là, en 10 minutes, on a passé les bases de notre modèle. On est ultra rapide. Franchement, je suis trop fier de moi. Je sais pas si on a déjà été aussi rapide que ça. Franchement, je suis ultra fier. J'ai baissé l'opacité, comme ça, genre, je vais mieux y voir. Et je vais pouvoir passer dans un trait un peu plus précis et... comment dire, délicat. J'aime bien les mettre super fins, mais après, bon, ça c'est chacun qui voit un peu comment il aime faire. Hein. Et là, j'ai passé dans un truc un peu plus d'analyse, de courbe et de contre-courbe. Le corps humain est fait de courbes et de contre-courbes. Alors, qu'est-ce qu'une courbe ? Une courbe, c'est ça, et une contre-courbe, c'est ça. On a la courbe qui est suivie d'une contre-courbe, qui va donc contrer la courbe. Et vous verrez ça, ça veut dire que par exemple, là, il y a une courbe, contre-courbe, courbe, contre-courbe, etc, etc. Bon là c'est très mal fait mais vous avez compris, courbe, contre-courbe, courbe, contre-courbe. Qui nous permet de créer notre modèle humain. C'est un peu plus précis que ça, mais dans l'idée essentielle, c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Voilà, voilà. Donc, on continue. C'est pas simple, hein. Faut suivre. Hein. Ok, donc, je vais partir de cette tête parce que j'aime bien partir de la tête des gens, moi, mais après, bon, chacun fait ça un peu comme il veut. Donc, suivant le modèle, là, j'aurai à peu près ses sourcils, là, ses yeux, je devrais avoir son nez partout par là, et là, je devrais avoir sa bouche, approximativement. Elle a la bouche légèrement ouverte, ce qui est giga chiant. Pour l'instant, je vais faire ça comme ça. J'y arrive pas. C'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Elle a un peu... J'irai pas un peu de joue, mais vous voyez ce que je veux dire. Un peu difficile à définir, en vrai. Hop. Si vous voulez que je dessine des modèles particuliers que vous connaissez, que vous avez en tête, que vous avez vu, etc., n'hésitez pas. Hein. Vous les envoyez sur le chat. Et c'est le prochain que je fais. J'aurais ça un peu comme ça, avec son oreille qui est partout par là. Là, c'est le truc qui permet de tenir son chignon et la fin de son chignon. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est un peu une vision artistique, chacun voit ça un peu à sa manière. Si on mettait deux personnes à décider la même chose, ils verraient pas ça exactement de la même manière. C'est ça que je trouve un peu intéressant sur le dessin, c'est que genre, même s'il y a beaucoup de gens qui dessinent la même chose, c'est pas tout le temps de la même manière, ce qui rend ça intéressant en fait. En tout cas à mon sens. Est-ce que ça se voit que je sais toujours pas vraiment ce que je suis en train de faire ou pas? Je pense que oui. Ok. Là on voit par exemple courbe et contre-courbe ici. C'est très léger hein. Mais ça permet de donner une sensation de muscle. J'y arrive pas. Mais. Donc la courbe. Contre-courbe.
par là, approximativement. Approximativement. Je suis giga concentré, je suis désolé. Hein. Mais je fais de mon mieux pour pouvoir vous présenter quelque chose de qualitatif. Hop, et voilà. Donc là, on a donc la coupure de son. Quand on vient plier le bras, on vient voir donc une ligne qui vient se créer ici, qui est donc le pli au niveau du coude. J'ai mal à parler aujourd'hui, hein. C'est fou. Et en fait, la plupart du temps, ce pli vient suivre à peu près les deux courbes, mais un peu plus celle du bas, je dirais, de temps en temps. Relativement. C'est très relatif sur le modèle. Un peu. Je la mettrais plus sur la courbe du bas, moi je dirais. En l'occurrence pour celui-là. Hein. Mais c'est vraiment un travail de d'observation progressif où au fur et à mesure tu améliores ton truc en dessinant des trucs de plus en plus précis. Et c'est pas où ce que je fais. Mais c'est pas grave. Donc là on a ce même système avec courbe contre courbe qui viennent ici se croiser. Je pense qu'on tiendrait pas trop rigueur. Surtout la vitesse à laquelle je fais ça, hein, vous avez vu ça un peu? Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais je suis giga rapide. Je suis content. C'est bien aussi d'être rapide de temps en temps. Ça nous permettra d'en faire plus, je me dis. Peut-être, on verra. Ouh. Et aujourd'hui, on atteint des sommets, 3 spectateurs de moyenne, je suis content. Hop. On se rapproche un peu plus de l'affiliation, donc c'est cool. Hop. Ça c'est... C'est assez particulier parce que ouais, il y a une barre qui se trouve ici. Hein. Là, ça va descendre comme ça, revenir ici, il y a le volume. De la partie basse de son bikini. Parce que pour moi ça vient comme ça, et là ici. Dans l'idée, hein. Parce que là on a le volume de sa jambe qui vient comme ça. Puis l'autre volume de sa jambe qui vient comme ça. Et après, on a ce volume-là qui vient ici. En tout cas, je crois. Ensuite, on a son volume là. Que j'ai un peu du mal à dessiner. Là, on a une courbe, à pas oublier. J'espère qu'on comprendra bien ce que je fais, parce que sinon, je suis un peu dégoûté. Là, on a donc son genou. Qui va venir descendre. Je regarde un peu la référence hein, quand même pour pas éviter de faire n'importe quoi. Qui va venir descendre en courbe ici. Ouais. Donc là, on a son mollet. Je crois. Je crois que c'est là qu'il est. Descend. Et là, on a toutes. Ces doigts de pied, tout plein de doigts de pied qui sont là, que je vais pas tout de suite dessiner parce que genre faut être fou pour dessiner ça tout de suite. Ouais, et donc ça donnerait un truc un peu comme ça, on dirait qu'on lui a coupé les pieds, donc je vais faire un trait juste pour signifier qu'ils sont présents, qu'il faut que je dessine. Ouais, alors pour l'instant je recule vachement autour de la caméra parce que je suis concentré sur la référence et tout. Ça va pas être le même délire quand il va falloir que je. Il va falloir que je dessine de façon plus précise. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'essaie de perfectionner mes courbes de façon à ce que genre elles soient au plus proche possible de la référence que j'ai. Mais j'ai peur d'accentuer un peu trop les choses. On verra. Ça. Et là, ça descend. Pour former le pied qui est
comme ça. Donc là, on a la base du pied, et là, on a ses... Vous savez, ses orteils. Je parle giga fan des pieds, donc ça me saoule un peu. Mais ça fait partie du dessin, il faut apprendre à le faire. Et puis, vous savez, c'est pas simple, hein. Je préférerais dessiner des stickmen, c'est tellement plus simple, les stickmen. Et encore, pour leur donner bien vie, c'est pas simple du tout, hein, faut pas croire. Beaucoup trop de gens qui pensent que genre le dessin c'est simple, absolument pas. Ok, ça devrait donner un truc un peu comme ça avec genre. Ouais. Je suis pas du tout convaincu de ce que je fais, mais. Ouais. J'ai pas l'arrière du. J'ai pas l'arrière de ça là. Alors moi je vais faire un peu comme ça. Comme ça, avec une sorte de gros combat à la fin. Ouais. On va dire que ça passe. Et que je suis content avec ça. Lui aussi, on va le baisser en opacité. L'autre, on va le cacher. C'est pas trop mal. Et on va faire un dernier calque où là, je vais être en mode super précis. Ça va être fun. First, en commençant par le visage. Faut déjà que je l'analyse parce que j'ai pas envie de partir dans des trucs trop rapides en mode let's go et puis en fait non je suis pas prêt ni et très loin d'être précis. Donc je regarde un peu comment son visage est formé, qu'est-ce que je peux retenir de son visage, etc. etc. Tellement mal fait. Déjà, le premier truc que j'aimerais bien les choses. Donc, déjà, le premier truc que j'aimerais remettre en place, c'est le fait que, genre, elle a des fins sourcils, ce qui est affreux. Elle a une sorte de cils qui sont, genre, comme ça, avec son nez qui vient, genre, là. À peu près comme ça. J'irai à peu près comme ça. On a ses lèvres, évidemment ouvertes pour pas trop nous faire chier. Ah, qu'est-ce que j'aime pas dessiner ce genre de truc. C'est giga moche. Ah. Ça me fait faire des... Ça me fait des frissons tellement c'est moche. À peu près comme ça, non? Là, on est à peu près bien. Et une bouche ouverte. J'aime bien qu'il y ait des gens qui me disent bah, juste dessine à la bouche fermée. C'est pas le principe de l'exercice, les gars. Si on commence à dessiner à la bouche fermée, bah, genre, il n'y a plus d'intérêt du tout à dessiner tout ce que je fais, quoi. Parce que tout ce qui m'embête, j'ai juste pas à le dessiner et puis je passe à autre chose, quoi. C'est tellement plus simple, certes, mais genre, on s'améliore pas en faisant ça, les gars. Je sais pas trop ce qu'elle fait avec sa bouche, mais voilà. Ah, pour moi, ça ressemble à peu près à ça. Ensuite, elle a les cheveux qui volent, ce qui est pas giga simple à dessiner, mais c'est pas grave, on y va. Je pense que j'ai peut-être une mine trop grosse. J'ai une mine beaucoup trop grosse. On va recommencer ça. Vous savez quoi? On efface ça tranquille. On va baisser sa mine déjà. Et on va se concentrer. On se concentre. Oh, concentration. Mes cheveux qui font encore n'importe quoi. C'est pas grave, on va faire comme si vous avez pas vu mes cheveux. Faire une sorte de groute. C'est chiant. Bon. Faut choisir. Soit je me ventile, soit je meurs de chaud et puis des choses. J'aime bien ajouter du détail. Le seul souci du détail, c'est genre.
De 1, ça prend du temps. De 2, c'est pas facile à faire. De 3, genre, je galère beaucoup à le faire. C'est pas grave, on va s'en sortir. Vous voyez peut-être pas ce genre de détails, puisque genre, moi j'ai l'avantage d'avoir un écran quasiment entre guillemets dédié à ma référence. Parce que genre, j'ai juste Pinterest ouvert avec ma référence dessus. Vous avez pas ça. Vous l'avez sur l'écran, parce que je peux pas afficher du multi-écran sur mon live. Ce serait giga trop bien, mais ce serait infaisable à faire, et puis ma connexion elle décéderait en genre 5 secondes. Faut que je me concentre aussi, parce que je vous parle, mais je me concentre pas assez, je pense. Ça fait des grosses narines, hein. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai laissé ça comme ça, parce que ça me paraît juste... Mais en même temps, ça me paraît être de grosses narines, donc ça me stresse un peu. En fait, elle a une sorte de sourire affreux à faire. C'est mon ordi. Il n'y a pas suffisamment d'espace disque pour poursuivre l'enregistrement. Oh fuck. Ok. Ok, pas d'enregistrement pour ce live. Ok. Je commence à avoir de moins en moins d'espace. Pardon. Sur mon disque, c'est affreux aussi ça. Tellement de problèmes. On a pas une bouche faisant un peu ça. Ah, vous êtes pas d'accord. Je suis d'accord avec moi-même. Si vous êtes d'accord, vous pouvez réagir dans le chat. C'est une option faisable et intéressante pour moi parce que ça me permet d'interagir avec vous. Je sens que je m'en sors mieux que tout à l'heure. Et que ça rend pas si mal. C'est dans ce moment-là que je kiffe avoir du pen pressure. Et pour tous ceux qui savent pas ce que c'est, ben, vous ratez quelque chose. C'est le fait d'avoir de la sensibilité sur son pinceau, et donc de pouvoir facilement jouer avec pour pouvoir faire des traits plus ou moins épais. Donc là, par exemple, j'ai un trait super fin, et là j'ai un trait plus épais. Ce serait cool. Ah, ses cheveux me... flotte. Trop tendance à suivre facilement ce que j'ai déjà fait, alors que c'est pas forcément tout le temps juste. Ça, c'est un gros souci que les gens ont aussi, c'est pas s'auto-corriger assez derrière. Dans le sens où il y a plein de choses qui sont corrigeables et on ne pense juste pas parce qu'on est genre trop concentré sur notre dessin. Et du fait qu'on oublie, on laisse des erreurs qui sont entre guillemets fondamentales. Ils sont très dommages. Alors des fois, comme moi, là, on gâche un peu tout parce que genre on oublie certains traits. Ok, on s'en sort bien. Ouais. Il reste encore tellement de trucs à faire. Je vais pas partir dans le détail partout, parce que sinon je vais juste décéder sous le détail. Là, il y a des... Comment on appelle ça? Les... J'ai appelé ça les tendons, du coup. Le nom me plaît pas trop parce que je sais que c'est pas ça. Et donc ça me paraît trop bizarre d'appeler ça comme ça. Elle a des petites chaînes, enfin des petites boucles d'oreilles. Enfin petites, elles sont assez énormes, ouais, ces boucles d'oreilles. Je sais pas pourquoi j'ai une petite. Je pense que j'ai symbolisé par un trait seulement, parce que je pense que ça sera peut-être plus joli visuellement. Un truc un peu comme ça. De l'autre côté, ça donnerait un truc un peu comme ça. Tac. Là, elle a une fin de cheveux qui vient là. Hop. C'est le muscle des bras. Donc là, on a le muscle de l'épaule.
On remonte le muscle de son bras qui mène à l'avant-bras. Donc là, sa main. J'essaie de suivre un peu ce que j'ai fait avant, mais ça me paraît pas juste. J'essaie de le corriger instinctivement. Concentrer sur son avant-bras, comme ça j'arrêterai de faire de la merde là-dessus. Comment on appelle la partie haute du bras? C'est quoi, l'avant-bras et l'arrière-bras? J'en doute. Je trouve que ça sonne pas bien, l'arrière-bras. Je pense pas que ce soit un vrai mot. Après avoir réfléchi un petit peu, genre... Je pense pas que ce soit vraiment un mot. Donc ça... Qui est revenu ici... Et sa main qui est en fait inversée. Ça ferait dessiner ça par contre. Non, je pars pas dans trop de détails parce que sinon on va y passer 1 la soirée, 2 j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails. Là, elle a un truc qui vient ici. Comme ça. Ça donnerait un peu un truc comme ça. À mon sens. Encore une fois, c'est à mon sens. Hein. Non, on va partir à cette partie-là. Là. C'est approximatif, hein, tout ce que je fais. Il y a encore tellement de trucs qui vont pas, mais c'est pas grave. Je trouve qu'on avance bien, en vrai. Là, on a son muscle qui est comme ça. Maintenant, on va descendre sur donc son bassin. Enfin, c'est pas vraiment son bassin, mais c'est plus genre le reste de son corps. C'est ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a son maillot qui ferait un truc un peu plus droit que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Ça me paraît beaucoup trop en courbe. Salut, Soraville! Content de te voir avec nous. Merci beaucoup de rejoindre ça. Alors je suis désolé, ça, les notifs passent en dessous de... Je suis complètement con. Les notifs qui passent en dessous de... Du dessin. J'ai tellement mal joué mon coup. Désolé. Mais merci beaucoup de rejoindre la chaîne. Ça me fait très plaisir. Voir des nouvelles personnes et tout, c'est vraiment cool. Ce qui nous permet d'avancer et de créer de nouvelles choses à chaque fois. Avec plus de monde. Ça va super et toi? Pour l'instant ça va super, quand on sera au deuxième, troisième dessin, je sais pas si ça ira mieux. Hein. Parce que mentalement ça prend quand même beaucoup de temps et de place. Mais sinon toi, comment ça va? Super bien? Top, top, je suis content. Content de rencontrer de nouvelles personnes aussi sur Twitch. Je trouve que c'est une bonne plateforme pour rencontrer des gens. J'espère que le stream bug pas trop, parce que ça arrive des fois où il bug vraiment beaucoup et c'est genre pas très très agréable pour vous. Jusqu'à présent ça allait, donc Oh, merci beaucoup. Bah je suis content que ça te plaise. J'y vais progressivement et doucement, hein. Je suis désolé pour ça parce que genre... J'ai envie de faire les choses bien un petit peu, de temps en temps. Le son de la musique est un petit peu fort par contre, par rapport à ta voix. Ah, désolé. Est-ce que là ça va mieux?
j'ai dernièrement baissé un peu le son de. Augmenter un peu le son de Spotify parce que la dernière fois on faisait du montage vidéo. Et je pense que j'ai oublié de descendre ça parce que genre. Ah parfait. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour les tips. Parce que genre un peu difficile de d'auto-régler ça tout seul. J'ai les niveaux de d'audio devant moi, mais la plupart du temps j'oublie un petit peu de regarder tout ça. Voilà. Je suis en train de dire quoi moi? Oui. Là on arrive sur une partie un peu difficile pour moi parce que ce sont les genre c'est tout ce qui est abdos, etc. Alors théoriquement là on a une ligne qui vient descendre tout le long comme ça mais qui est pas très visible donc je vais la laisser peut-être juste en haut. Là on a ces abdos qui font comme ça et peut-être comme ça. Mais c'est pas des lignes très visibles et ça se voit un peu plus dans les dans l'ombrage et tout. Un peu difficile à dire. On va descendre un peu et on va continuer ce qu'on a en bas. Alors, en bas on a la partie de son bikini. Désolé si je prends un peu de temps, mais c'est que j'analyse aussi sur la photo comment est-ce que, à quoi ça ressemble pour pouvoir bien le représenter entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc là on a une courbe qui vient comme ça, qui est donc son bikini. Pareil dans l'autre côté, donc on a une courbe qui fait comme ça, que pour l'instant j'avais plutôt bien dessiné sur les autres trucs. Là on a sa jambe qui vient vers l'intérieur, parce que ses jambes se croisent. Tac. Et là on va avoir donc la deuxième partie de sa jambe qui vient passer devant tout le reste parce qu'elle a son genou en avant. Heureusement qu'on a fait des bases avant parce que sinon genre on serait complètement perdu derrière tous les traits qu'il y a à faire. Je sais pas comment certains artistes font pour genre arriver à trouver les traits parfaits genre quasiment dès le début parce que je trouve ça tellement dur. Après, il y a des petits traits que je fais pas, hein, mais bon, il y a plein de traits supplémentaires que je fais pas. Comme par exemple, genre, si on part dans le détail, il y a genre des plis et tout que, entre guillemets, j'oublie de faire, mais c'est pas grave. Ok. On a la partie basse de son bassin. Qui est, je pense, moins grosse que ce que j'avais fait là. Parce que je suis toujours un peu dans l'abus. Genre. Il y a des gens, ils sont super doués en dessin, mais genre, c'est impressionnant. Moi, les deux personnes qui m'impressionnent, enfin, les deux genres de personnes, entre guillemets, qui m'impressionnent le plus, c'est les animateurs. Oui, sûrement l'habitude, là-dessus, je suis d'accord. Mais il y a, genre, les animateurs, que je trouve font un travail de dingue, en mode, les gars passent leur temps à dessiner exactement les mêmes choses, et arrivent à te retrouver des repères dans certains dessins, ce qui leur permet de, genre, créer des actions super complexes en animation et tout, et genre les dessinateurs d'animation 2D, je trouve personnellement que ces gars-là sont des monstres en dessin. Et genre je suis content d'en connaître 2-3 hein, parce que genre ils sont trop forts et genre c'est trop agréable de discuter avec eux, dessin, etc. Parce qu'ils te donnent des tips qui sont genre fous. Et si vous avez l'occasion genre de trouver un animateur 2D à suivre sur internet, genre c'est trop agréable ce qu'ils font. Et leur travail est tellement tellement kiffant à regarder parce que certes c'est assez long parce qu'il faut dessiner chaque pose, faut dessiner plein plein de trucs, mais le résultat final en vaut tellement le coup parce que genre contrairement à l'animation 3D, et pourtant je bosse dans le 3D en mode de base, contrairement à de la 3D, je trouve personnellement que genre c'est autre chose quoi. Et quand je dis genre c'est autre chose, c'est à mon sens vraiment autre chose quoi. Dans le sens où les animateurs 3D bossent avec des modèles qui sont certes pas faciles des fois à manier, hein, mais et donc ça leur permet de donner un peu plus vie au modèle et de pouvoir faire des choses qu'on pourrait pas faire en 2D, et plus simplement et aussi gagner du temps en un sens. Mais les gars en 2D, c'est un talent qu'ils ont. Donc il y a ceux-là et des personnes sur internet aussi. Donc ça c'est une catégorie de personnes que j'admire énormément qui dessinent parce que genre j'aurais je pense jamais leur niveau et mais je chercherai toujours à avoir quelque chose d'approximativement proche quoi. Donc il y a ces personnes-là qui m'impressionnent en dessin. Et je sais pas si vous avez déjà vu sur internet, mais il y a des vidéos des fois qui circulent un petit peu des personnes autistes qui ont en fait un syndrome assez particulier qui fait qu'ils retiennent énormément de trucs. Mais quand je dis énormément de trucs, c'est pas genre ce qu'un commun, enfin ce que nous, mortels, retenons, c'est genre ils retiennent vraiment tout. Et ces personnes-là qui se passionnent pour le dessin, et donc qui font genre. Là, on va passer à la partie des pieds qui est entre nous la partie que j'ai testée le plus, mais on va se concentrer un peu et puis on va la faire tranquillement.
Et ces personnes-là dessinent, donc déjà dessinent super bien, mais vu qu'ils font tout de mémoire, tu les vois par exemple, je sais pas, il y avait un gars qui avait survolé New York en hélico, peut-être, je crois que c'était en hélico, qui était redescendu sur Terre, normal quoi, comme tout le monde, parce qu'il va pas rester dans l'hélico, et avait dessiné une fresque de tout New York, ce qu'on appelle la skyline, donc c'est une sorte la vue des bâtiments en fait, et le dessin est incroyable, et tout ça de mémoire, juste en se rappelant de ce qu'il a vu quoi. Je trouve ça genre juste incroyable. Je fais ça approximativement hein, parce que genre flemme d'y passer trop de temps aussi. Genre j'aimerais qu'on fasse d'autres dessins aussi. Approximativement comme ça. Je sais pas trop. Et en fait il y a son autre pied qui vient passer devant avec genre ça. Il vient descendre ici. Eh! Yes, j'ai vu ça passer, c'est impressionnant. Ouais, il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres personnes qui ont fait aussi des trucs super cool et ouf en dessin, avec genre un talent de dingue. Et si vous avez l'occasion, genre, allez voir ce genre de personnes-là, parce que genre, moi je trouve ça super inspirant. Après, c'est personnel, hein. Moi je trouve ça vachement inspirant, ça me donne envie de dessiner, ça me donne envie de me surpasser, et de montrer aussi ce que je sais faire et ce que je vaux, quoi, entre guillemets. Même si, enfin, ces personnes-là s'en foutent de ce que je sais faire, moi. Mais, je trouve ça vachement inspirant, et puis ça me donne envie de dessiner, et ça me donne envie de d'atteindre des rêves que, normalement, je me dirais sont inatteignables. Donc voilà. Oh là là, zoom. On va zoomer progressivement, voilà. Voilà ce que ça donne. Je suis assez content de nous. C'est plutôt cool. Je vous propose qu'on en passe à un autre. Dans le sens comme ça, on en fait plein de différents et ça nous permet de nous améliorer, de changer un peu de sujet et tout. À part si vous voulez qu'on fasse les ombres. Mais c'est pas un truc sur lequel je suis très bon. Donc, comme vous voulez. Je voulais choisir ça. C'est pas parfait, mais plutôt bien, je trouve. Ça, pas trop mal en vrai. Ouais. Donc ça c'est notre process. On a commencé avec voilà. On a commencé avec les bases, proportions, mettre en place le sujet. On a avancé avec des détails un peu simples quoi. En mode je venais juste mettre les courbes et contre-courbes que j'avais vues et que je trouvais intéressant. Et après on est passé aux détails. Voilà. Au suivant. Donc pour le suivant, je vais passer sur l'écran principal. Donc. C'est absolument pas mon écran principal, c'est donc. Qu'est-ce qui s'est passé là? BenQ, écran principal. Ok. Donc, ça c'était notre modèle sur Pinterest, mais j'en ai plein, plein d'autres. Et je me suis dit, donc ça c'est ce dont je vous parlais, hein. Ah, c'est un tableau secret. Je vais peut-être le mettre en ligne, comme ça si vous êtes intéressé par le voir et l'utiliser si vous voulez. Donc, là aujourd'hui on a fait celui-là. C'est fait. Je vous propose de passer à un autre. J'aimerais bien un truc avec du mouvement un peu sportif. J'aime bien celui-là. Celui-là. Après, j'ai plus tendance à dessiner des femmes. Mais pourquoi pas changer un peu et choisir un homme, genre des musculatures ultra présentes. J'aime bien la danse aussi. Le volley, c'est fou. Je sais pas, on verra. J'aime bien cette danseuse-là. Je pense qu'on va partir là-dessus. On repasse sur la Yuan. Donc, il faut juste que je réadapte ça. Yes. Nickel. Comme ça, c'est joli pour vous. C'est parfait pour moi. Fichier nouveau. Hop. Et je pense qu'on est prêt à partir pour celui-là. Alors, faut juste que, entre guillemets, j'étudie un peu parce que, genre, j'ai pas envie de me lancer là-dedans comme un fou. Ok. Je vais reprendre une mine un peu grosse, comme ça, je vais poser les détails dessus. Je pourrais même partir plus gros en vrai. Ouais, là, c'est bien. Ok. Je vais reprendre la même méthode parce que je trouve que c'est la méthode qui marche pas trop mal en vrai. Je commence à reposer la tête. Donc pour moi c'est à peu près là parce qu'en fait ce que je vois c'est que genre là va y avoir ses gestes, enfin c'est plus gobel que ça avec ses cheveux qui sont derrière comme ça. Là je sens qu'il va y avoir sa jambe qui va être là,
que j'aimerais bien finir ici. Il va y avoir son bras qui va être partout par là, je pense. Parce que là, il y a son épaule. Son épaule qui vient faire une ligne comme ça. Donc, première épaule ici. Deuxième qui vient comme ça. On a donc là son buste avec donc sa poitrine. Enfin, je dis ça un peu comme ça. Hein. Je suis pas sûr du tout de ce que je fais. Ah, je galère. Je galère, je galère, je galère. Parce que là, il y a genre. Attendez. Là, il y aura sa jambe avec son bras qui va faire comme ça, comme ça. Ouais. Sa pied qui va être là parce que sa main est posée ici. Oh, on va pouvoir voir de jolis détails sur sa main, ça va être cool ça. Ça remonte. Là, on va voir parce que son regard est là. Ok, son nez ici, sa bouche là. Là, on a à peu près son genou qui doit être partout par là, ce qui crée le trou par ici. Hein? Attendez, par ici, ouais. Et donc, son mollet qui vient ici et qui remonte. Essentiellement, voilà. Là, il y a son pied, sa main. Ouais. C'est pas simple, hein. J'espère que vous comprenez ce que je fais parce que, genre, moi-même, je suis un peu perdu là. Donc, ça ici, qui redescend jusqu'à son épaule. Ok. Là, on a sa poitrine. Donc, comme ça. Avec sa cage thoracique qui vient, genre, là. J'aime bien mettre la cage thoracique parce que, genre, ça me permet de me repérer aussi un peu. Et genre, après elle n'est pas une position simple, mais je dirais qu'elle est une position un peu comme ça, genre. Au niveau de. En fait, on a un trait qui part de tout le faciès, qui descend ici, qui suit la poitrine et la divise en deux, et qui descend jusqu'au pubis. Et donc c'est le trait que je cherche à peu près ici, et je le trouve vachement difficile parce que si je devais le situer, genre je mettrais genre là sa cuisse qui part en haut. Ok. La fin de sa cuisse, elle est là. Et. Je mettrai la fin de son ventre entre guillemets par ici. Ouais, partout par ici. Pour moi, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Oh, je galère un peu parce que là, il y a son genou. Son genou, ça veut dire qu'il y a son mollet par là qui vient revenir vers le genou. Tac, tac. Hop. Un peu truc comme ça, en vrai. Là, on a la fin. La ligne des cheveux. On a ses yeux qui sont là avec ses sourcils par ici. On dirait qu'elle fait une grimace. Je trouve ça trop drôle. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. J'apprécie relativement ce que j'ai fait là. Parce que là, il y a son ligne d'épaule. La ligne de ses cheveux. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a plus de courbes par là. Là, devrait y avoir plus de courbes, je pense. Un peu comme ça. Ouais. On va dire ça passe, hein, au fond. Au fond. Par contre, c'est vachement bord 4 ce que j'ai fait. Donc j'ai genre le point de décaler un peu. Voilà. Là, on devrait être bon pour passer à la deuxième phase, si je peux appeler ça comme ça, qui est genre juste ajouter un peu plus de détails, un poil plus de détails, parce que genre ce que j'ai fait là est très 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 obscur quand même. Donc je prends une mine plus fine, comme d'hab. Je vais mettre sur le dessin et je vais faire des dessins. Je vais faire des traits à peu près là où je pense qu'il y a des trucs. Par exemple là son sourcil est trop long. Et je dessine sur le même. Oh le débile. Je dessine sur le même calque tout à l'heure. C'est pas grave. Ça va. On a juste commencé donc tout va bien. Mais genre c'est pas un mouvement intelligent ça par contre. Voilà. Alors j'aime beaucoup les trucs de danseurs parce que contre, genre il y a énormément de trucs que les danseurs font et qui me font genre un peu flipper, dans le sens où ça me met pas en confiance. J'ai une ex qui faisait de la danse. Et je peux vous dire, quand elle faisait le grand écart, ça me mettait pas bien, genre. Je sais pas, je trouve ça un peu flippant en somme. C'est pas contre les danseurs, hein, c'est plus moi. C'est pas vraiment une phobie, mais c'est juste que ça me met mal à l'aise parce que j'ai l'impression que leur corps est cassé. Genre, quand ils font ce genre de move, je trouve ça genre trop stylé. Je dirais pas flipper. C'est pas vraiment ça, mais c'est plus en mode j'ai l'impression que leur corps est cassé. En mode j'ai pas l'impression que genre c'est faisable. Je trouve ça trop bizarre. En mode bah, genre moi tu vois genre déjà j'ai du mal à atteindre le bout de mes pieds genre.
Alors eux, quand ils font ça, je me dis, mais genre, ah, la douleur que cela doit provoquer, genre, doit être, genre, infernale. Et ouais, mais c'est un peu comme les blessures, genre, j'ai trop tendance à, genre, m'imaginer sur moi-même les blessures des autres. En mode, si je vois quelqu'un de blessé, j'ai trop tendance à m'imaginer qu'est-ce que ça me ferait sur moi, comment est-ce que je le ressentirais. Et donc, genre, j'ai mal pour lui, alors qu'au final, genre, il a peut-être moins mal que ce que j'imagine qu'il a mal. Ce qui fait que, genre, dans certaines situations, je suis purement inutile parce que je suis juste en mode devant des situations. Alors qu'au fond, il n'y a pas besoin de ni paniquer, ni se casser la tête devant ce genre de truc. Mais je sais pas, ça. Je dirais pas que ça me terrorise, mais c'est plus en mode. Dans mon esprit, c'est pas normal. Et ça, c'est pareil entre les gymnastes, les danseurs, etc. Je trouve qu'ils ont des moves pas normaux pour un être humain. Mais bon, c'est peut-être parce que genre je passe mes journées dans ma chaise à dessiner des trucs et que genre je fais pas assez d'étirements, pas assez de sport, j'en sais rien. Que je trouve ça pas normal. Enfin, pas normal pour moi. Je dis pas que c'est pas normal, enfin je trouve ça trop stylé ce qu'ils font, hein. Sinon je dessinerai pas et je prendrai pas ce genre de référence. Je prends pas des références de gamers devant leur écran ou d'artistes en train de dessiner de trucs. En tant que gymnaste, c'est perturbant de m'imaginer sans un corps souple. Ah, j'imagine même pas. Oh là là, genre, j'imagine même pas. Parce que, genre, moi, tu vois, genre, je suis dans le cas complètement inverse. En mode, je suis l'insouplesse au plus total. Dans le sens, genre, choper mes pieds, c'est pas possible. Genre, j'ai cette distance entre ma main et mon pied. Faire le grand écart, je m'arrête à partir du moment où, genre, j'ai cette distance. Enfin, je pourrais pas le montrer à l'écran, mais genre, je suis l'insouplesse au plus total. Et donc ça me perturbe beaucoup de voir des gens souples parce que genre j'arrive pas à m'imaginer faire, mais là maintenant que t'en parles, j'imagine que genre le cas inverse doit être giga drôle à voir. Et puis assez frustrant en vrai parce que genre je sais pas, moi j'ai toujours vécu des cours de PS où je sais pas trop, genre je dirais pas que j'étais au fond parce que je suis jamais au fond parce que genre ça m'intéresse pas de genre être au fond, genre, enfin, même en cours, je trouve que t'apprends pas grand chose, c'est un peu chiant et tout. Mais genre, j'étais vraiment pas genre l'élève à mettre en avant quoi, parce que genre, je faisais tous les exercices, mais de loin, on aurait dit que je les faisais à moitié, tellement genre, c'était pathétique de me voir faire. Un peu triste pour moi par contre, mais ça va. Ouais, non, mais mon insouplesse, c'est vraiment un cas. Hein. Heureusement que je fais pas un truc de gymnastique sur cette chaîne parce que sinon, genre, vous passerez plus de temps à vous foutre de ma gueule plutôt qu'à regarder ce que je fais. Mais sœur Evil, tu fais quoi comme genre gymnaste à faire des figures et tout? Un des trucs qui m'impressionne le plus. EPS, pire chose. Attends, mais moi je veux savoir. Parce que tu vois, genre, je me suis toujours dit, tu vois, genre. Les gens qui étaient forts dans un domaine, le cours qui va avec, ça devait être genre trop l'éclate. Parce que genre, t'es fort dans le domaine et genre, tu t'éclates de ouf. Moi, ça n'a pas été du tout le cas. tire live gymnastique. Ah, ça fait trop drôle. Mais avant, j'aimerais bien juste faire un truc, c'est un live cuisine. Parce que genre, je dirais pas que je suis pas bon en cuisine, non, ça va, je me débrouille bien. Hein. Mais c'est plus en mode, je trouve ça juste giga fun à faire. Et j'aimerais bien le faire. Mais pourquoi pas un jour un live gymnastique, tu me donnes des idées là. Ça peut être trop drôle. Mais genre, je me suis toujours dit, genre, les gens qui sont forts dans un domaine, ça doit être genre trop kiffant de genre faire un cours de PS qui va avec le domaine. Parce que genre, tu dois être le plus fort, tu dois être la pété et tout et tout. Moi, ça n'a jamais été le cas parce que genre, les cours de comment on appelle ça, d'art entre guillemets à l'école, genre c'était affreux et notre prof était vraiment affreuse. Mais je me suis dit, tu vois, genre dans l'idée, peut-être qu'il y a des gens qui doivent trop s'éclater à avoir des cours, par exemple, genre quand on fait EPS gymnastique, ça doit être genre trop kiffant parce que genre tu te tapes des doubles saltos en l'air et tous les élèves sont en mode, regardez monsieur, j'ai fait genre, comment on appelle ça encore? La terre, enfin c'est la terre. Ouais, je crois que c'est la terre. J'ai plus les termes exacts, hein, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça. Mais je me dis, ouais, le kiff que ça doit être quoi. Mais en vrai, je suis même pas sûr parce que genre. En vrai, ça dépend du prof que t'as. Je sais même pas si tout le monde fait gymnastique quand on est au collège. Moi, j'ai eu l'occasion entre guillemets de le faire et après, je sais pas si c'est vraiment la vraie gymnastique qu'on faisait. Hein. On faisait des poiriers, on faisait genre des roues. Alors moi, j'ai jamais fait rien de ça. Hein. Moi, je faisais des roues, elles étaient éclatées, je tombais au sol. On faisait des roulades avant et des roulards derrière, c'était trop fun.
C'est à peu près tout ce qu'on faisait, hein. Enfin, on faisait pas des trucs fous, hein. Si, il y a un jour, notre prof il nous a sorti, c'est pas des barres parallèles, mais ce sont des barres qui sont à des niveaux un peu différents, genre il y en a une un peu plus basse et une un peu plus haute. Et donc, bah, il y avait une fille dans notre classe qui était genre trop forte et elle arrivait à faire des trucs avec. Nous on se suspendait aux barres, on était déjà contents, et puis si on arrivait à passer genre en faisant des trucs à l'autre, c'était cool. Sinon il y avait un autre exercice qui était trop bien, genre en fait il y avait une barre, et genre tu mettais ton abdomen au niveau de la barre, et genre tu passais devant, ce qui te faisait que tu faisais une roulade autour de la barre. Genre c'est pas difficile du tout, mais il fallait juste pas avoir peur, quoi, parce que genre tu tournes, quoi. T'as jamais fait ça dans ton collège? Mais vous faisiez quoi comme sport au collège? Enfin nous on avait les basiques, tu sais, genre handball, basket. On avait quoi d'autre? Handball, basket, football. Donc gymnastique aussi. On avait attends, je suis en train de me rappeler des souvenirs. Ping-pong et danse. Non, non, c'est pas des barres en métal, c'était des barres en bois. Mais en fait, le truc, c'est que, genre, vu que les barres étaient en bois, en fait, juste grâce à la force, entre guillemets, d'attraction, genre, tu mettais ton abdomen au-dessus, et tu te penchais en avant, et ça te faisait automatiquement faire une roulade, quoi. Et il suffisait juste de savoir juste accrocher et de pas avoir peur, quoi. Mais il suffit, genre, juste de ça, et c'est bon, quoi, ça tournait tout seul. Rien de difficile. Mais moi, j'y arrivais, pour vous dire à quel point c'était simple. On courait. Encore et encore. C'est vrai qu'on avait de la course aussi. Mais genre, c'était pas quelque chose de difficile, quoi. Enfin, moi, j'étais pas très bon en sport, mais ça va. Nous, on avait des. Enfin, ultra frustrant au collège parce que, genre, on faisait du sport. Sauf que je sais pas pourquoi dans mon collège, genre, il y avait des vrais sportifs dans mon collège. Enfin, je pense que dans beaucoup de collèges, il y a ça. Hein. Quand je dis de vrais sportifs, les gars faisaient de l'athlétisme. Oui, les parasymétriques. Merci. Genre, c'est ça le nom correct. Et genre, en vrai, c'était cool. Genre, j'ai de bons souvenirs. Même si, genre, moi, je passais plus de temps à essayer qu'à vraiment faire les exos. Genre, ça va, des bons souvenirs. Mais pour vous dire, genre, nous, j'avais deux gymnastes dans ma classe au collège. Deux gars qui faisaient de l'athlétisme, mais genre, de l'athlétisme à fond, quoi. Des gars qui faisaient du handball. Deux gars qui faisaient du basket et qui étaient genre sélectionnés par les collèges pour aller représenter le collège et tout, pour vous dire à quel point c'était fort. Et puis à côté, genre il y avait moi qui genre passais mon temps à jouer à des jeux vidéo et qui genre passais mon temps à dessiner. Et donc voilà. Et ça va. Je suis jamais fait trop d'ennemis au collège, donc ça va. Je suis bien sorti. J'ai, comme qui dirait, survécu. Donc ça va. Mais je me dis, en vrai, j'ai eu de la chance parce que genre toutes les activités qu'on nous proposait au collège, genre ça nous a permis de à peu près tous nous développer dans des sports genre complètement différents et d'essayer des nouveaux trucs. Parce que genre je peux vous dire que jamais de la vie j'aurais essayé les barres asymétriques si j'avais pas été dans un collège comme ça. Et puis, qui vit dans un collège avec des barres asymétriques sérieusement, genre? Qui a la chance d'avoir des barres asymétriques dans son collège? Tout le monde n'a pas cette chance. Merci Sunday pour le rappel. Sunday, tu me fatigues de temps en temps. Mais ça me permet de vous rappeler que Sunday est active. Parce que le dernier live il était cassé et c'était vraiment difficile. Sport élite. Alors je dirais pas sport élite, mais genre, il y avait vraiment des gens forts. Moi je me souviens, je sais pas si vous. Enfin, je peux donner des noms comme ça. Mais il y avait une fille qui s'appelait. Wow! Je fais n'importe quoi. Il y a une fille qui s'appelait donc Marianne Pontrouche, et cette fille-là était déléguée avec moi. Et elle a fait. tu me fais trop rire. Et en fait, cette fille-là, elle était au championnat de France de patinage artistique quand on était au collège. Championnat de France de patinage artistique. Le truc, ça envoie du lourd, quoi. Moi j'ai toujours été impressionné de ça. Moi à côté j'étais genre simple délégué de la classe parce que genre tout le monde m'aimait bien et que genre j'étais le genre de gars qui se faisait pas d'ennemis. Et donc tout le monde m'aimait bien et donc tout le monde m'a élu délégué par force. Je suis en train de réaliser mais c'est exactement ce qui s'est passé dans mon école sup l'année dernière. Genre dans le sens où tout le monde m'a élu délégué parce que genre personne ne s'entend mal avec moi. Et donc ils se sont tous dit tiens bah c'est la personne parfaite parce que genre personne s'entend mal avec lui donc élisons-le délégué.
Et à côté de moi, genre, t'as des gens trop stylés qui font des trucs genre giga ouf. Et moi, je suis à côté en mode, hé hey, les gars, je dessine sur Twitch. Yay! Ah, ça me fatigue, la vie me fatigue. C'est une sorte de gros karma. Ok. Déléguer, c'est bien aussi. Si seulement, si seulement. Bah, genre, c'est pas le genre de truc que tu mets sur ton CV, quoi. Genre, t'as été genre ch au championnat de France de patinage artistique, tu le mets sur ton CV direct. Genre, les gars sont en mode, ah ouais, niveau sportif, vous gérez. Moi, je vais pas mettre genre, ouais, bah, j'étais délégué en quatrième, c'était sympathique, les gens m'apprécient bien. Ouais, non. Très loin. Il y a des niveaux de style. Genre, t'es en soirée, tu veux te la péter, ben, tu peux pas. Ok, je vais pas lui faire de nez parce que, genre, il va être dégueulasse. Non, mais en vrai, on s'en rend pas compte, mais être délégué, c'est pas mal de responsabilités aussi, hein. Faut pas croire. Moi, je prenais mon travail au sérieux. Genre, j'écoutais les élèves, je prenais du temps pour parler avec eux de ce qu'ils voulaient faire après, etc. Je pense que j'étais un peu trop investi. Dans plein de trucs que je fais, je suis beaucoup trop investi sur des trucs à la con. Et donc, c'est un peu con. Je vais passer un peu plus de détails direct parce que, genre, j'ai envie de passer à plus de détails. Mais en vrai, c'est un peu frustrant de se dire que, genre, il y a des gens qui réussissent super bien. Et toi, t'étais à côté d'eux. Tu sais, genre, un peu comme le personnage secondaire de l'histoire. Après, ça va, j'ai pas été que ça toute ma vie. Donc, j'ai pas tout le temps été le personnage secondaire de l'histoire. Donc, ça va. Je suis en train de me rendre compte que, genre, la cuisse. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. J'ai essayé de dessiner une fois pour une fois sur le bon calque. Et puis, je vais passer à du genre 5, ça serait bien. Ok. J'essaie d'avoir bien les formes du visage. Parce que je me dis, ça peut faire un truc. Non, mais après, bon, enfin, chacun son style, quoi. Chacun son style. Je suis sûr, dans quelques années, genre, j'aurai des trucs à raconter aux gens en mode, ouais, bah, enfin, j'ai quand même fait ça, quoi. Et genre, qu'est-ce que tu vas faire? Je pourrais un peu me la péter au niveau des gens. Les gens, en vrai, Twitch, en vrai, genre, j'en parle comme ça, mais genre, Twitch, c'est déjà, genre, une tellement bonne expérience. Parce que, genre, les gens. Enfin, tu découvres des gens déjà, parce que genre, t'as l'occasion de parler avec des gens que tu connais pas du tout, tu peux montrer un peu ce que tu fais, montrer un peu ce que t'es capable de faire, etc. Et ça, franchement, un pur kiff, parce que genre, il y a peu de plateformes que je connais où t'as la possibilité de faire ça, aussi ouvertement, entre guillemets. Enfin, faut se le dire, genre, ça va faire quoi, approximativement, je sais pas moi, quelques mois que je fais des lives à peu près, genre quelques mois. Bon, disons que ça va faire une semaine que je fais des lives, 3-4 semaines que je fais des lives. Je saurais pas comment dire en vrai. En vrai, c'est stylé de dire, et ouais, je suis streamer mon pote. C'est vrai que c'est stylé. Là-dessus, j'ai rien à dire. C'est très stylé parce que, genre, t'as un certain style quand tu fais ça. Genre, tout le monde n'a pas les capacités de faire ça. Moi je sais quand j'ai commencé le stream c'était genre pas simple du tout parce que genre je m'adresse à une audience qui est pas forcément présente, qui ne parle pas forcément avec moi et j'ai pas la possibilité de faire comme sur YouTube hein, des cuts, du montage etc. et de mettre que les parties fun et amusantes donc pour divertir les gens je suis obligé de entre guillemets faire de mon mieux en me disant qu'à tout moment il peut y avoir quelqu'un qui spawn, qui est là, qui découvre la chaîne sans savoir de quoi je parle, de quoi ça parle, de qu'est-ce que c'est, et quand même arriver à l'attirer. Donc, au début, c'était pas simple. Et je me dis, tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, je connais plein de personnes qui sont avec moi, qui sont trop intéressantes, hein, trop divertissantes, etc., etc. Mais genre que je sais pas capable de faire ce genre de truc parce que genre déjà ça les saoulerait en deux-deux. Et puis ils sont pas faits pour ça, tout simplement. Hein. Et j'aime trop regarder des streamers parce que genre contrairement à des youtubeurs qui ont des trucs ultra préparés, etc. Streamer, on est plus dans, je trouve, hein, la réalité du truc. Mais après, bon, ça dépend des streamers qu'on regarde, évidemment, hein, etc., etc. Mais j'ai l'impression qu'on est plus dans la réalité du truc parce que, genre, on est quasiment avec lui 24-24.
tout le temps, quoi. Enfin, y a pas de coupure, genre il se passe quelque chose de mal, tu vas le voir réagir en direct. Il y a quelque chose de drôle qui va lui faire rire, bah tu vas le voir normalement. Et c'est pas quelque chose de monté et de complètement faux, quoi. Comme on peut retrouver beaucoup sur YouTube, etc. Alors, je sais qu'il y a quand même des genre des côtés un peu plus sombres à Twitch, hein, là-dessus, je dis pas le contraire. Mais quand même, genre, je trouve ça sympa. Enfin, c'est mon opinion. Et puis, en vrai, je suis assez content d'être sur Twitch parce que, genre, il y a une part de style, dans le sens où, genre, quand t'as des personnes qui te suivent et qui te regardent, genre là, on est un dimanche après-midi, je sais pas du tout ce que les gens vont, j'ai à peu près, je sais pas moi, 4 spectateurs à peu près sur le stream. C'est-à-dire que dans, je dirais, la France, Belgique, enfin, tout pays saxophone, enfin, j'imagine que c'est des gens qui parlent français quand même, genre dans les pays saxophones, quoi. saxophone, putain, je suis débile, francophone, je raconte n'importe quoi. Dans les pays francophones, il y a quand même genre 4 personnes dans le monde qui regardent ce que je suis en train de faire. Et je trouve ça genre trop stylé. Parce que genre, ben, pas tout le monde peut dire genre, ouais, bah là, genre, il y avait 4 personnes qui me regardaient, dans le sens où genre 4 personnes qui étaient disponibles, qui prenaient du temps pour regarder ce que je fais. Parce que genre, faut quand même prendre ce temps-là pour regarder ce que tu fais, quoi. Enfin, tout le monde n'a pas le temps pour ce genre de truc. Et si t'arrives à divertir assez les gens, etc., genre, et que tu es un peu intéressant, je trouve ça tellement cool de se dire ça. Alors là, j'ai l'impression que je suis en train de rajouter une courbe qui n'existe pas. Ce qui donne un effet plus 3K. Qu'est-ce que c'est vraiment? Je suis désolé. Mais j'ai l'impression que c'est plus joli. Donc pour l'instant, je vais le laisser parce que, genre, ça me paraît mieux, bizarrement. Faire n'importe quoi, c'est pas grave. Mais après, bon, c'est comme tout, hein. Ce que je suis content avec cette chaîne Twitch, c'est que genre, je me suis fixé comme objectif de faire un peu de tout et un peu ce que j'ai envie. Ce qui fait que genre, je m'arrête pas vraiment à ce que genre. Je me sens obligé de faire. Il y a des trucs que je kiffe faire, hein, et j'essaie de pas faire, les faire trop souvent pour pas que genre ça gâche un peu trop le plaisir. Genre ce genre de stream là où genre je passe juste mon temps à dessiner, etc. Genre je surkiffe parce que genre j'ai pas besoin de me concentrer énormément sur ce que je fais parce que genre c'est un process. Genre le dessin c'est devenu tellement une habitude que genre c'est un peu comme genre une tâche secondaire qui tourne dans mon cerveau où genre je lance cette tâche secondaire et puis genre ça le fait tout seul quoi parce que genre j'ai l'habitude, je dessine beaucoup, je dessine souvent et donc ça me permet de genre pouvoir faire plusieurs choses à la fois etc. pendant que je dessine. Sur d'autres tâches, je dois l'avouer genre c'est pas le même délire où c'est genre un peu plus dur, j'ai un peu plus du mal etc. Mais le dessin c'est vraiment agréable parce que genre je peux vraiment parler avec les gens sans que ça me déconcentre de fou quoi. Alors des fois oui je pars dans mes explications genre giga complexes et genre j'oublie un peu de dessiner. Un peu, beaucoup. Mais sinon, en règle générale, je me débrouille pas trop mal. Et ce qui rend le process tellement plus agréable, les gens s'imaginent pas, genre. Avoir la possibilité de dessiner et de parler avec des gens, c'est genre un des meilleurs process qui existent sur cette planète. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus vivant. Enfin, faut pas croire, hein, je fais pas des lives tous les jours. Je fais des lives souvent, surtout en ce moment parce que genre c'est les vacances, je suis tranquille, je suis posé et tout. J'ai pas grand chose à faire ni quoi que ce soit. Mais déjà je sais pas comment les gens font pour avoir une vie en général et faire des lives tous les jours. C'est juste pas possible. Déjà moi avoir un planning de live, c'est-à-dire je fais des lives tous les mercredis et les vendredis en temps normal. Donc déjà respecter ce planning de live, c'est genre affreux. Parce que genre la vie quoi. En mode je sais pas moi j'ai des amis qui veulent faire un truc le vendredi soir, bah genre ouais je suis désolé, je suis occupé le vendredi soir. Vous savez, genre j'ai des gens à les retrouver sur internet. Et bah genre c'est pas simple. En tout cas à mon sens. Je crois que ça fait à peu près un truc comme ça, mais j'ai l'impression d'exagérer de ouf les courbes.
C'est pareil, genre, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi ça? Des fois, je me pose la question sur ce que je fais parce que, genre, je comprends moi-même pas ce que j'ai fait. Je prendrai une mine un peu plus fine pour plein de petits détails, on verra ça tranquillement. Hop. Mais bon, voilà. Ça reste un process qui est vachement intéressant, vachement agréable et que je kiffe beaucoup. Et pour ça que ça me plaît autant de le partager, que je fais beaucoup de live en ce moment, c'est parce que genre c'est juste trop agréable de d'avoir l'occasion de partager avec des gens ce qu'on fait et ce qui nous passionne quoi. Parce que pour moi le dessin c'est vraiment une passion, enfin j'ai des passions un peu plus grandes, C'est vrai. que je vous partage aussi sur la chaîne si vous êtes intéressé. Je suis pas sûr que tout le monde soit intéressé, mais si ça vous intéresse, j'ai des passions un peu plus grandes qui sont bah, la 3D, ce genre de trucs. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de live 3D parce que genre. Parce que genre. J'attends beaucoup la rentrée pour pouvoir le faire. Je serai un peu plus tranquille. Et enfin, je serai un peu plus tranquille. Genre, vu que c'est mon travail, genre, je vais attendre la rentrée pour le faire. Mais là, vu que je prends des vacances, je dessine tranquillement, je fais du modèle vivant, je m'améliore en dessin, en proportion, en anatomie, et donc ça me fait du bien quoi. Voilà. Et puis en fait, ça fait genre du bien aussi à l'ego de se dire qu'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés dans ce que tu fais, dans ton dessin. Je trouve ça c'est cool. Mais bon, c'est pas le. Le seul truc que j'ai peur, c'est que les gens soient intéressés par un truc que je fais, comme par exemple le dessin, etc. Et qui ne le soit plus quand je m'attaque à des trucs un peu plus nouveaux comme je sais pas moi le montage, ce genre de trucs comme le live que j'avais fait la dernière fois. Ou l'inverse, hein, qui sont intéressés par le montage que je puisse faire, mais pas du tout par les autres trucs que je peux faire quoi. Ça me fait un peu flipper. Parce que genre je me dis je pourrais peut-être perdre beaucoup de monde en faisant ça. Ouais. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais, j'arrive pas à me concentrer. Je pourrais peut-être perdre beaucoup de monde en faisant ça, parce que justement, genre, je perdrais du monde en faisant plein de trucs en même temps, ce qui, genre, pousserait les gens peut-être à partir, je sais pas trop. Vu que j'en sais rien, c'est juste de la théorie sans passer à de la pratique. Et genre, je verrai ça, je pense, avec les mois de streaming que je peux faire. On verra. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie de, genre, dessiner tranquille. Apprendre de nouveaux trucs. Découvrir de nouveaux trucs. Rencontrer de nouvelles personnes. Mais là, par exemple, je suis content parce que, genre. Enfin, je sais pas si j'en avais parlé, mais moi, mon but, genre, dans cette chaîne Twitch, c'est arriver à passer l'affiliation. Pourquoi? Parce que, genre. Essentiellement, l'affiliation apporte de nouveaux outils sur Twitch qui sont vraiment trop cool. Genre. Ouais, c'est ça que je me dis, mais je pense que, contrairement à des gens qui font des lives super constants et super réguliers sur des sujets ultra précis tout le temps, en mode, je sais pas moi, quand tu prends par exemple des streamers comme, je sais pas moi, j'ai pas streamer en tête, mais des gens qui jouent beaucoup à Minecraft ou beaucoup à R6, etc., qui genre sont spécialisés dans un seul domaine, bah forcément ils vont attirer des gens qui sont attirés par ce genre de domaine-là, qui sont attirés par genre ce genre de jeu-là. Et moi c'est pas vraiment le cas parce que genre déjà je fais des trucs artistiques donc faut aimer ce que je fais, c'est pas forcément tout le temps le cas, genre etc. etc. Bon, enfin plein de trucs. Mais y a pas que ça, il y a aussi le fait que genre tout c'est sans gris. Mais y a pas que ça, il y a aussi le fait que moi je change aussi souvent de discipline quoi. Et donc si tu adhères à ces deux concepts-là qui sont le fait que genre bah il y a des fois les dessins t'intéressent pas forcément, le sujet que j'aborde ne t'intéresse pas forcément, le style que j'utilise ne t'intéresse pas forcément. Il y a des gens qui préfèrent le style manga par exemple qui moi j'aime pas du tout ça mais j'aime bien le lire. Les mangas j'adore lire ça. Par contre genre dessiner ce genre dans ce style-là très loin de moi parce que genre
un skill que je maîtrise pas et qui me plaît pas plus que ça à dessiner. Et des gens qui recherchent ça, ben, trouveront pas ça sur ma chaîne, quoi, par exemple. Mais c'est normal, quoi. Et donc, une fois que j'ai passé la barrière de déjà intéresser des gens qui sont intéressés par ce que je fais, ensuite les garder, je suis pas sûr. Mais bon, ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et puis, bon, je pense que je trouverai forcément, au fur et à mesure, des gens qui seront intéressés par ce que je fais, en un sens. J'espère. Mais bon, mon but avec cette chaîne, c'est un jour peut-être arriver, on verra, hein, parce que genre pour l'instant c'est pas gagné. J'arrive pas à zoomer genre proprement. À chaque fois c'est genre trop. Attendez, je vais faire avec la souris parce que genre ça me saoule. Voilà. Et donc voilà, c'est notre deuxième dessin d'observation aujourd'hui. En vrai, on va vite, ça va faire 1h18 qu'on fait ça, on en a déjà fait deux. Donc le premier qu'on a fait tout à l'heure, le deuxième qu'on vient de faire maintenant. Pour l'instant, je suis genre super super content. Donc avec les lignes de construction, ça donne ça. J'ai juste baissé un peu l'opacité des lignes de construction. Je trouve ça giga trop stylé. Je suis trop fier de nous. L'autre, c'est pareil. Ouais, là c'est trop fort en lien de ligne de construction. Un truc un peu plus léger, genre ça donne ça. J'aime trop laisser les lignes de construction parce que ça permet aux gens de voir un peu comment t'as travaillé. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui. En fait, genre, en ce moment, mon but c'est genre créer des. Arriver à passer, genre, au niveau affilié de Twitch. Pourquoi? Parce que, genre, l'affiliation permet d'avoir accès à plein, plein, plein de trucs trop cool. Comme par exemple, notamment, genre, les points de chaîne qui permettent ensuite de faire des activités, etc., de faire des, genre, des paris et tout entre viewers. Et plein d'autres trucs, de pouvoir acheter des émoticônes, d'avoir des emotes sur le chat qui sont propres à ce que je fais et tout. Ça peut être trop fou. Un des trucs que je rêverais de faire. Et enfin, si j'ai envie d'être affilié, c'est pas genre pour gagner du monde en mode avoir plein, plein, plein de gens qui me suivent et tout. Ça m'intéresse pas tellement tant que ça. Parce que sinon je jouerais à des jeux vidéo, je pense. Mais c'est plus vraiment pour avoir les outils qui sont derrière, parce que genre les outils sont trop cool et j'ai trop envie de jouer avec. Un outil par exemple, donc c'est genre les emotes et les. Comment on appelle ça? Les emotes et. Ouais, les émoticônes qu'on peut avoir dans le chat. Et genre j'aimerais trop faire un live où genre je design des emotes pour que vous puissiez les utiliser et tout. Et donc avoir les propres emotes de notre live et tout, je trouve ça trop cool comme idée. J'ai envie de changer un peu. On vient de faire deux filles. Donc, une première assez cool, vous les voyez pas, c'est pas grave. Une deuxième plus dans l'extension avec genre des trucs de souplesse et tout. Je pense que genre ce serait bien qu'on fasse un mec de temps en temps. Et pourquoi pas lui? Pour changer un peu. Parce que genre. Les gens qui font des trucs trop stylés, ça c'est trop stylé par exemple. C'est trop trop stylé. Je suis giga trop fan de ce qu'il a fait. C'est incroyable. Nous on va pas aller là-dedans, hein. Pourquoi pas en vrai? Je suis en train de me dire. Comme je disais tout à l'heure, genre j'ai fait en sorte de pouvoir avoir la tablette connectée. Et j'aime beaucoup faire du digital painting avec la tablette. On va voir. On va voir. Tranquille. Déjà, on commence par faire genre ce qu'on a prévu de faire du modèle vivant. Ouais, je suis en train de me concentrer. Ok. Ok. Et puis, enfin, ça change un peu de style et tout. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui aiment pas les modèles féminins et qui auraient voulu que je dessine autre chose aussi. Ben, maintenant c'est le cas. Donc profitez-en. Parce que ça arrive pas souvent, ouais. Mais en vrai, ça me dérange pas tellement de dessiner des hommes, c'est juste que c'est beaucoup plus carré. Genre, il y a des courbes et des contre-courbes, hein, on le voit là sur le côté, par exemple, genre courbe, contre-courbe, courbe et tout. Mais si tu veux styliser un mec et le dessiner, tu utiliseras beaucoup plus de lignes droites pour marquer en fait genre l'abrupté de ses muscles. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'espère que vous m'avez compris. Et genre, je préfère les. Je trouve ça plus doux, corps d'une femme, mais bon, peu importe. Vous verriez un peu les plaisirs. Je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais passer sur. Comment dire ça? J'ai commencé doucement avec genre.
Putain, ce que je suis en train de faire, je suis débile. J'ai commencé doucement avec genre les lignes fortes, les lignes marquantes du dessin, pour m'y retrouver et pour que vous y retrouviez aussi. Comme ça, genre tout le monde s'y retrouve et on est tous contents. Ok. Donc comme d'hab, je pense que je vais commencer avec la tête. Hop, là on va avoir l'oreille, l'œil et sa coupe de cheveux que je ne saurais définir pour l'instant. Un truc un peu comme ça. On a le cou. J'aime trop cette musique. J'aime bien la musique lofi, genre ça me met trop dans une bonne ambiance pour genre travailler entre guillemets. Et là on voit bien les lignes que je ce dont je parlais tout à l'heure. Là, on la voit, cette ligne-là. Et en fait, cette ligne-là, elle part de l'oreille. Donc, comme là, je l'ai dessinée. Voilà, j'ai très mal dessiné, mais elle part de l'oreille et elle part en fait jusqu'au milieu du sternum, juste ici, le début de la cage thoracique. Et donc, en traçant de l'oreille jusqu'à la cage thoracique, vous aurez cette ligne. Mais après, elle fait une sorte de petite courbe. En somme, elle fait ça à peu près. Donc là, vu qu'il est de profil et qu'il la monte bien, ben, genre, on la voit bien partir de l'oreille pour aller jusqu'au. Enfin, sa tête est tournée, donc forcément on la voit bien faire une ligne droite comme ça. Alors que l'autre, elle va faire toute une courbe pour aller de là jusque là. Ouish! Voilà. C'est aussi l'occasion de vous parler de petits tips anatomiques fun. Je sais pas, il y a une courbe un peu comme ça. Donc là, il y a son boxer. Faudrait que je trouve des images de mecs en caleçon, ce serait plus simple à faire. C'est pour ça que je prends les filles en maillot de bain, c'est parce que genre plus simple de voir ce qu'il y a les parties du corps autour. Et on n'essaye pas de deviner en réfléchissant à la mécanique de. En réfléchissant à la mécanique de vêtements. Parce que là, il va falloir que je réfléchisse à la mécanique de vêtements dans le sens où. Donc, genre, là devrait y avoir son bassin qui fait un truc genre. Comme ça, qui relie à ses jambes. Et par-dessus, il va y avoir son vêtement. Et je vais enlever les. Pour mettre que les vêtements, qui doit faire un truc comme ça. Parce que là, il y a sa jambe qui fait ça. Et par-dessus, il y a son vêtement qui vient faire comme ça. Essentiellement. Hein. On reste dans quelque chose d'assez simple pour l'instant, parce que j'ai pas envie de me compliquer la vie. Mais voilà. Après, genre, si les mecs, ça vous plaît pas, vous me le dites, hein. En fait, là, il y a son épaule. Genre, c'est ce que j'essaie de deviner tout à l'heure. Là, je fais des traits un peu au hasard, mais genre. Là, il y a son épaule, qu'on peut symboliser par un cercle. Et là, il va y avoir son deuxième épaule qui est cachée par son biceps. Qui va venir vers la caméra. En fait, c'est genre tracer des traits visuels pour avoir des lignes de force. Et s'aider de ces lignes de force-là pour pouvoir avoir les différents éléments dont tu as besoin. C'est vrai, genre là, je sais que genre il va y avoir ça. Ça. Et après, c'est un peu connaître son anatomie, mais bon, genre, ça demande pas trop d'efforts en vrai. Ça va. Enfin, voilà. En somme, les mecs, en connaissant bien une anatomie, il suffit d'exagérer un peu les trucs pour pouvoir l'avoir. Je trouve que dessiner, genre, des modèles féminins, c'est tellement plus complexe parce que, genre. Il y a beaucoup plus de trucs qui changent et qui font que ton modèle est complètement à côté, alors que proportionnellement, enfin anatomiquement, t'as quelque chose de bon. C'est juste que genre sur cette personne-là, genre fonctionne pas exactement de la même manière et donc c'est pas ouf. Et donc beaucoup plus challenging. Mais bon, encore une fois, hein, c'est relatif. Tiens, je vais m'amuser moi à dessiner tous ces pecs. C'est démoralisant, surtout quand tu me regardes moi. Rire. Il a un coup. En fait, le fait qu'il ait le truc tourné, ça fait que ça lui donne un coup un peu énorme. Tout à son avantage, ça donne plus de muscles, donc il est comme plus saillant et tout. Essentiellement, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois à peu près. Alors. C'est la base, hein. Et ouais, c'est.
Parce que proportionnellement, j'ai l'impression que ça arrive à peu près à là, là où il y a l'embouchure à peu près, ça marre. Ouais. Un bon gros trait. Et un trait. Ça me paraît pas trop mal. Pas trop trop mal. J'ai encore des doutes, mais on va continuer avec mes doutes. Hop, je baisse un peu l'opacité. Je vais peut-être la monter un peu parce que je sais pas si vous la voyez bien. Ok. On est reparti. 9, touc. Ok. Après, genre. Je dessine sur mauvais calque, mais après, genre, un truc que je trouve vachement intéressant, c'est aussi, genre, découvrir de nouvelles personnes, genre. Pas que, genre, dans son propre chat stream, parce que, genre. Mais je parle plus de créateurs. Je trouve ça vachement amusant de. D'aller sur des. Sur les streams de gens pour découvrir un peu ce qu'ils font. Et, dernièrement, c'est vraiment ma passion. Parce que je découvre de nouvelles personnes, je découvre des trucs que j'avais jamais vus avant. Je trouve ça vachement intéressant. Approximativement, hein. Je suis pas dans l'étape des détails, c'est après, hein. Tac. En fait, un truc aussi qui est vachement intéressant, c'est la différence entre. Bon, là, vous verrez pas, parce qu'en ce moment, j'ai de la barbe, je sais pas trop pourquoi, mais. Enfin, pas trop pourquoi. Je sais très bien pourquoi j'ai de la barbe. La question est pourquoi est-ce que je la garde? Ça, je sais pas. Plus par flemme, je pense. Mais là, on le voit bien, la différence entre donc la mâchoire, qui est donc celle du squelette, qui est donc là. Celle que je mets en avant, juste là. Et donc son menton, qui est donc là, dû à. Son menton qui est dû là à la peau, parce que la peau est pas entre guillemets attachée au squelette, c'est que genre elle pend un peu plus. Et il y a beaucoup de gens qui genre oublient cette différence. Alors pour l'instant ça rend moche, je suis au courant, mais ça va venir, d'accord? Hop. Ce qui est vachement aussi intéressant chez les mecs, c'est que genre. Tu apprends vachement vite l'anatomie, enfin les bases de l'anatomie, en mode où se connectent les différents trucs. Là, on a un os sur le muscle. Je connais pas trop les noms, hein. J'ai oublié, ça fait longtemps. Os, pardon. Un muscle sur l'épaule. J'ai arrivé à parler parce que c'est affreux, qui est relié donc au biceps. Non, au pectoraux, pardon. Biceps, c'est pas là. Au pectoraux. Et donc, quand tu tires le bras, c'est pour ça que en fait, ça va venir tirer. C'est pareil chez les femmes, hein. Ça va venir tirer la poitrine. Parce que justement, vu que c'est relié, ça va soulever la peau et c'est ce qui se passe ici en fait. C'est-à-dire que là, on le voit, le pectoral est carrément relié à l'épaule, ce qui va le faire monter en fait. Là, on a l'épaule, donc le muscle de l'épaule qui est vers l'arrière. On monte avec son biceps, son coude. Hop. Et là, c'est la partie avant qui vient se dissimuler derrière le biceps, je crois. Faudrait que je révise mon vocabulaire d'anatomie avant de passer en live parce que genre c'est un peu affreux là. Je dirais que ça fait un truc à peu près comme ça. Et vous verrez que si je fais des trucs un peu approximatifs en mode. Comment on appelle ça? Un peu approximatif en mode. Oh, j'ai plus d'idées en tête, ça me saoule. Des trucs un peu approximatifs en mode des traits un peu droits, ça passera bien parce que justement, vu que c'est du muscle, on s'attend à ce que ça soit rigide et dur. Et une des façons de représenter quelque chose de rigide et dur, c'est justement par des trucs assez piquants et droits. Graphiquement parlant, ça rappelle en fait l'idée d'un mur. Et donc, ça rappelle quelque chose donc de solide et dur qui fait donc penser à quelque chose de comme ça. Ce qui aide le spectateur à penser que c'est quelque chose de dur. Non mais peu à peu on le construit, hein, c'est assez cool.
là c'est les obliques je crois. C'est un muscle qui s'appelle les obliques. Alors il y a des personnes tellement plus fortes pour pas pour aller de ça que moi. J'ai un ami, il fait de la street, c'est impressionnant ce genre de gars. Genre ils font enfin du street workout, ce genre de truc. Genre waouh. Super musclé, très très beau à regarder. Mais ouais, c'est pas trop mon cas. En fait, ce que j'aime bien, genre, dans ce genre de dessin, c'est la simplicité que ça prend. Plus tu connais tes raccourcis d'anatomie. Parce que en vrai, on se rend pas compte, mais genre, s'acheter des livres d'anatomie pour les gens qui veulent apprendre à dessiner, ça va être de ouf. Ça permet d'en savoir tellement plus sur tout en fait, sur comment fonctionne le corps, sur etc. Alors, c'est complètement différent des livres de médecine qu'on peut trouver sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, les livres de médecine sont plus axés sur le fonctionnement, tandis que genre les livres artistiques d'anatomie sont axés vachement plus sur le côté, comment appeler ça, représentation. Et là-dessus, il y a une différence. C'est-à-dire que en médecine, on va apprendre les muscles, tous les muscles, comment ça fonctionne, surtout en enfin kinéthérapie, ce genre de trucs. Comment ça fonctionne, où est-ce qu'ils sont placés, etc., etc. Artistiquement parlant, on va pas s'occuper de tous les muscles, ça servirait à rien. On perdrait du temps, entre guillemets. Ce qu'on va faire par contre, c'est genre apprendre. Apprendre les muscles extérieurs et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et les muscles extérieurs permettent donc de donner du volume, ce qui permet ensuite d'arriver à donner une forme à ce qu'on dessine. Ce qui je trouve vachement plus intéressant pour les artistes, parce que pas besoin de savoir l'emplacement de tous les muscles, il suffit de savoir à quoi est-ce qu'ils correspondent et comment, enfin, où est-ce qu'ils sont placés et quel volume est-ce qu'ils prennent, quoi. Alors je vous avouerai que je pense que ça se voit sur les dessins, il y a certaines parties de muscles que je connais beaucoup mieux que le reste. Comme par exemple, je ne connais quasiment pas les muscles de la jambe, alors que les muscles abdominaux, tout ça là, enfin tout ce qui est pectoral, abdominal, etc., je connais assez bien. Donc ça va, je me débrouille pas trop trop mal. On se débrouille bien. Je suis assez content. Genre ça ressemble pas trop mal, ça. Je pense qu'on va pouvoir passer à un peu plus de détails. Ouais. Dites-moi si vous êtes intéressé que celui-là on se le fasse en mode. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Que celui-là on se le fasse en mode. Peinture. Enfin, je sais pas trop. On va voir ça tranquillement. Déjà, on va faire les détails. Et puis on verra. Ce que j'ai grave envie d'essayer, c'est de nouvelles features que je développe sur le stream. Parce que ça me prend du temps à développer ce genre de nouvelles features. D'inclure mon iPad par exemple à tout ça. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne à 100% et c'est ça qui me stresse un peu. Approximativement, je pense que je suis prêt, mentalement. Changer juste la mine pour passer sur du 5, comme ça sera bien. Alors, je vais pas trop m'embêter avec tout plein de volumes compliqués parce que, genre, sinon je vais me prendre la tête pour rien. Je sais qu'il y a un volume un peu particulier sur le niveau de sa tête là. Genre, il est censé avoir une petite bosse pour revenir pour avoir une autre bosse. Je vais faire un trait droit parce que, genre, c'est vrai que j'ai un peu la flemme et j'ai pas envie d'y passer 2 heures. Et c'est ça la différence entre, genre, comment on pourrait appeler ça? J'ai retrouvé les nombres au fur et à mesure. Voilà. C'est ça la différence entre donc ce qu'on appelle l'observation et l'interprétation. Dans mes dessins, je fais énormément d'interprétations. Genre, je dessine pas exactement ce qui se passe dans la vraie vie parce que genre la plupart du temps, c'est surtout parce que j'ai la flemme. C'est vrai. Par contre, j'interprète, ce qui veut dire que je. C'est pas comme si je l'ignorais. C'est plus comme si je faisais en sorte que je le cache par d'autres éléments, quoi. Et c'est un peu ma façon de tricher à moi. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent qu'il faut, quand on dessine, il faut tout dessiner. C'est absolument pas le cas. Il y a des façons de tricher pour justement ne pas avoir à tout dessiner
et pouvoir se contenter entre guillemets du minimum. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai pas mal de mal. C'est le menton. Parce que, genre. Voilà. Ça veut dire qu'au lieu de terminer le trait et de le ramener jusque-là, j'en ai pas besoin. Genre, je vais juste le marquer ici parce que, genre, c'est un trait qui est assez marqué chez lui. J'ai tracé le... J'ai tiré le trait, mais je vais pas le finir parce que, genre, ça servira à rien. Et ça nous fait économiser du temps et ça laisse, en fait, la personne qui regarde. Entre guillemets, juger par lui-même qu'est-ce qu'elle veut imaginer à cet endroit-là et terminer les traits par elle-même en fait. Ce qui est quand même très pratique. Laisser le spectateur faire la moitié de notre taf. C'est pas cool ça. J'en rends pas compte de la puissance de l'imaginaire humain, entre guillemets. Ça veut dire que. Et surtout comment la développer en fait. C'est-à-dire que tu pourrais montrer des dessins qu'on a fait aujourd'hui, des comics, ce genre de trucs. Enfin des comics, pas vraiment des comics, mais plus des bandes dessinées, surtout la presse. Des bandes dessinées de la presse qui sont faites genre en même pas 5 minutes à des gens de pas de cette époque, hein, genre d'une époque complètement autre, qui ne comprendraient pas de quoi on parle. Pourquoi? Parce que genre c'est tellement abstrait, c'est tellement stylisé, etc. que... on arrive à reconnaître des choses là où eux auraient du mal à reconnaître parce que justement c'est pas du tout comme c'est pas du tout réaliste et c'est vraiment un style complètement différent qu'on développe nous. Que je trouve vachement intéressant parce que justement c'est pas entre guillemets naturel dans le sens où c'est notre civilisation, entre guillemets, qui a progressivement appris à genre à utiliser son imaginaire de façon très intense face à ce qu'on lui montre. Pas besoin de genre de devoir lui expliquer tout en détail, parce que genre il va automatiquement comprendre que genre ça c'est un humain. Alors que c'est un trait. Une croix et un V. Alors que ça, pour nous, 21e siècle, pour tout le monde, ça représente un humain. C'est quand même fou. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Et ça vient à profit énormément aux artistes parce que, genre, les gens ne se rendent pas compte, mais ça nous permet, nous, de ne pas avoir à tout dessiner. Dans le sens où, automatiquement, les gens vont finir nos courbes. Sans remarquer qu'elles sont pas finies en fait. Parce que justement, ça fait tellement partie de cette habitude que les gens ont de le faire que bah, genre, ils le font automatiquement sans même s'en rendre compte. Et donc, moi j'utilise beaucoup parce que genre, je suis un grand flemmard dans l'âme. Et des fois, parfois un peu trop, je m'en suis rendu compte. Et des fois, sans même m'en rendre compte, parce que genre, je finis pas des courbes à des endroits parce que j'ai oublié de les tracer. Et après l'avoir posté, je suis en mode, oh quel imbécile, j'ai oublié de faire ça. Et ça me saoule. Mais ça arrive, malheureusement. Des fois, parfois, trop souvent, ça arrive. Oh. En tout cas, on avance bien. Hein. Je suis content. Un bras de fée. Ça rend pas trop mal. On va faire le reste. Par quoi j'ai commencé? Par quoi j'ai commencé? C'est une bonne question ça. Je sais pas par quoi j'ai commencé. Je pense que j'ai commencé. Non, attendez. Je vais réfléchir avant de parler. Ouais, non, j'ai recommencé par son épaule. Parce qu'il y a vachement de détails à faire dans son épaule. Ça va être chiant après. Si je la fais pas bien. Je sais à peu près qu'elle est à peu près au bon endroit. Donc ça me va. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est aussi avoir le niveau des épaules. Ça veut dire que les gens ont tendance à dessiner les gens avec un cou, comme ça, et genre les épaules qui sont là. Alors que pour beaucoup de gens musclés, justement, les épaules vont venir aller derrière le cou, ce qui donnerait un truc un peu plus genre le cou qui est comme ça, et les épaules qui sont là. Parce que justement, leur musculature fait que les épaules. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est clair pour vous, mais genre, c'est un fait qui se passe. Naturellement, et quand on dessine, c'est bien au moins le savoir quoi. Attendez.
Parce que genre, pour moi, là, il y a le pectoral. Un pectoral, hein. Un pectoral ou un pectoral? Je me sens con quand je dis ce genre de truc. J'ai l'impression genre d'être bizarre. Ah, c'est trop bizarre. Ouais. Si je fais toutes ces phases où en fait je suis pas du tout zoomé dans mon dessin, c'est justement pour pouvoir prendre le temps de le regarder de loin. Parce que plus on part vite dans les détails, le souci c'est plus vite on s'y perd. Et genre c'est ultra problématique parce que justement genre vu qu'on se perd dans les détails, on se rend pas compte des erreurs qu'on peut faire. Et donc on garde ses erreurs pendant super longtemps, sans même s'en rendre compte. Et au bout d'un moment, genre on se réveille, on se dit mais putain, il y a tout ça qui va pas, donc faut que je recommence tout ça. Et ça fait beaucoup, beaucoup de choses à recommencer quoi. Ce qui est assez problématique. Mais vous inquiétez pas, moi je suis là pour vous aider. Et puis vous me voyez faire des erreurs, comme ça vous ne le ferez pas chez vous. C'est une façon pédagogique d'apprendre à dessiner, au fond. C'est ridicule ce que je suis en train de faire. Ah. Les pectoraux, enfin les muscles abdominaux, je les ferai après. Parce que je prendrai une ligne un peu plus fine, comme ça sera plus dans les détails et tout. Il y aura des différences de mine, ce qui pourrait être intéressant. Ou sinon, j'appuie pas beaucoup sur mon stylet, je le fais maintenant. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que j'aurais à ce trait-là? Je vais l'enlever parce que en vrai, les trucs sont. Ou sinon, j'ai baissé son opacité, je sais pas trop. Genre, vraiment tout petit. Je sais pas si vous continuez à le voir. Mais ça me permet de, genre. Plus me fier à la. Attendez, j'ai gommé ça parce que ça me stresse. Plus me fier à ce que je vois ici. Plus qu'à ce que je. C'est ce que genre j'ai déjà dessiné. Ça me permet d'avoir des références, certes, mais j'ai pas envie d'utiliser ces références comme étant juste de base. Et je préfère pouvoir revenir dessus légèrement parce que des fois c'est pas forcément tout le temps juste. Et j'ai pas envie de genre fausser tout mon dessin en partant du principe que c'est juste alors que ça ne l'est pas. Je sais pas si c'est très clair, mais pour moi ça l'est. Ça c'est un peu plus léger. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'il en a des abdos, c'est fou. Ok, ils sont bien marqués. Félicitations. Je suis perdu dans ce que je fais. Mais j'ai fait n'importe quoi, attends. Non. Si là je termine là. Là c'est pas mal en vrai. C'est pas trop mal. Ok. Je tiens à dire, et là-dessus je suis content. On vient de passer la barre des 700 vues sur la chaîne. C'est une petite victoire personnelle parce que genre, waouh, ça fait beaucoup en vrai. Enfin, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup. Je suis fier de nous parce que ça veut dire que genre, de jour en jour, on avance et on a plus en plus de vues, on a plus de monde, de plus en plus de monde sur la chaîne, de plus en plus de gens qui découvrent un peu ce que je fais. Et là-dessus, je suis content. Aujourd'hui, c'est un live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur la ville. Non mais je suis content parce qu'aujourd'hui on a une moyenne de spectateurs au-dessus des 3. Au-dessus de 3 en moyenne de spectateurs. Et genre. Alors, certes, il y a Soraville qui est là, qui sauve le chat, mais genre, il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Mais c'est pas vraiment un problème parce que genre. C'est pas grave. Dans le sens où genre. J'attends pas à ce que tout le monde parle et soit ultra actif. Enfin, moi perso, quand je regarde des lives et perds du temps,
Je discute pas tellement dans le chat parce que genre. Parce que genre. Je sais pas trop comment justifier ça, mais genre je discute pas trop dans le chat parce que. Plein de temps je suis sur mon téléphone et. Et c'est moins agréable. Mais les gens qui le font, je suis impressionné et merci beaucoup. Parce que genre. Ça veut dire beaucoup pour moi. Surtout dans la façon dont je fais mon live, parce que genre, je parle beaucoup. Et j'espère que c'est juste pas trop chiant, parce que genre. Parce que ça pourrait l'être. Et des fois, je parle parce que je suis en train de dessiner. Hein. Si vous êtes pas là, des fois, ça m'arrive même de parler tout seul. Dans le sens où, littéralement, je parle tout seul dans ma chambre. Ce qui est très bizarre. Et ce que je suis en train de faire est trop bizarre aussi. On va pas le faire. Mais c'est ma façon dont, c'est la façon dont je travaille parce que genre j'ai besoin de parler, m'exprimer avec des gens, genre expliquer ce que je suis en train de faire. Je trouve ça tellement plus intéressant que juste de le faire moi de mon côté. Ça me permet aussi de mieux réfléchir à ce que je suis en train de faire et puis un truc qui est chiant c'est le volume des pouces sur lequel j'ai souvent du mal, qui me saoule énormément. Genre on dirait que mon pouce est écrasé, c'est tellement nul. Là l'ongle est trop gros. Ah, être exigeant, c'est pas simple des fois. C'est ridicule, mais on va dire que ça passe. Oh, vous verrez, c'est un peu tout le temps ça. Très ridicule, mais on va dire que ça passe parce que genre. Parce que genre, si on fait autrement, ça va encore nous prendre des heures. Et j'ai pas envie de passer des heures dessus. Ok. Je pense que la main est pas très claire. Mais je me dis c'est pas très grave parce qu'on va le voir de loin. C'est très relatif tout ça. C'est très très relatif. Suis pas giga convaincu par ce que je suis en train de faire. J'essaie de me baser à la fois un peu sur ce que j'ai fait avant. En sachant que j'ai fait ça de loin sans être trop précis. Le souci c'est que genre faire tout de loin et sans être trop précis, ça tu perds en précision, beaucoup en précision. Et c'est pas fou. Est-ce que là c'est un peu plus clair? On dirait qu'il a juste deux doigts sur les dessins que je suis en train de faire. C'est mieux là comme ça, non? Vous comprenez quelque chose à ce que je suis en train de faire? Parce que moi relativement. Pour être honnête avec vous. Moi relativement. Alors là on s'attaque à une partie un peu plus complexe, le pantalon. J'ai peur d'être parti un peu trop loin, et c'est ça que je suis en train de vérifier tout de suite en plaçant des repères sur des repères visuels dans ma tête. Parce qu'essentiellement, c'est censé partir jusque-là. En vrai, Sorabil, rassure-moi s'il te plaît. Dis-moi que tu comprends. Dis-moi que tu comprends. Ouais, je. Je vais partir du principe que ce que tu es en train de me dire c'est oui. Et que genre tu comprends de ouf ce que j'ai essayé de faire. Et que genre les gens vont plus s'attarder sur les abdominaux de ce gars. Sur les abdos de ce gars. Abdominaux, je trouve que c'est un mot trop bizarre. Genre sur les abdos de ce gars plus que sur sa main. Et ils vont tellement pas voir sa main que genre ça va passer trop discret. Et que genre tout le monde va être en mode c'est trop un joli dessin que t'as fait là. J'ai tout compris. Ah, vous me faites trop rire. Si Sorabil a tout compris, je dis que tout le monde a tout compris, donc on est bon. Tac. Hop.
Regardez-moi ces muscles, c'est fou quand même. Bon là je suis vraiment en train de refaire un peu les traits que j'avais fait au début parce que genre je connais pas bien l'anatomie des pieds, des jambes. Enfin ça m'intéresse pas de ouf. Je suis très content que ce modèle pour une fois n'ait pas de pied à dessiner. Alors, oui, je pourrais tricher souvent et régulièrement en ne dessinant pas juste ce qui m'intéresse pas. C'est une option à laquelle je pense souvent, il est vrai. Mais le souci, c'est que, genre, si je continue à faire ça, genre, je vais juste pas m'améliorer. Et genre, je vais juste pas réussir à dessiner les trucs après. Ce qui me saoule pas mal, parce que mon but, c'est quand même m'améliorer, et pas juste m'améliorer dans les domaines que je, dans lesquels je me débrouille déjà pas trop mal. Hop. C'est très moche. On va laisser les chaussettes blanches. Comme s'il n'y avait pas de texture dessus, parce qu'on a quasiment pas fait de texture autre part. On a juste décalé le truc comme ça. Ok. Donc, voilà ce que. Pourquoi il me fait des zooms giga violents comme ça? Donc, voilà ce que ça donne. Je suis giga fier de nous. En mode, je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. À part sa main. Enfin, à part ses mains. Genre, je trouve que les abdos sont bien faits. Je suis fier de moi. Genre, on reconnaît les abdos, on reconnaît l'essentiel, moi ça me va. Attendez, regardez un peu ce qu'on a fait, genre. Ça. Ça. Et maintenant, lui. Si on affiche les traits de construction, ça donne à peu près ça. Ça, on va le mettre genre à 10, et ça, on va le mettre genre à 6. Comme ça, on va pas trop le voir. Je trouve ça trop stylé, genre, on dirait un professionnel qui a fait ça et tout. Wow, je suis trop content. Franchement, je suis content de nous. Ça va faire quoi? Déjà presque 2 heures de live, de beaux abdos, ça. Au moins je vous montre des trucs intéressants et beau à regarder. Hein, je dis ça, je dis rien, mais des jolies filles, des jolis mecs. Franchement, ce live, ça nous régale. L'occasion de voir plein de trucs trop cool. Ok, le prochain. On vient de se faire de jolis abdos. J'ai envie de passer sur quelque chose un peu plus fou, comme quelque chose genre de. Celui-là il me tente de ouf. Celui-là il me tente de ouf, mais genre je sens que j'ai galéré. Parce que genre ce pied-là en perspective. Ça fait du défi. Waouh, trop bien réussi. C'est pareil, genre celui-là il est incroyable. Si je dessine pas sur papier, c'est qu'il y a des raisons. Genre, vous voyez pas trop parce que genre mon CTRL Z il est un peu caché, il est genre sur mon stylet. Et en fait, quand je dessine, genre j'ai juste à appuyer sur le bouton pour que genre ça s'enclenche. C'est rapide, efficace et très discret. Et moi, ça m'arrange de ouf parce que genre, vous voyez pas tous les CTRL Z que j'ai, mais genre c'est un outil que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur papier, c'est pas possible. Donc, je dessine pas sur papier. Tout aussi simple que ça. Sur iPad, c'est un peu plus chiant, c'est double tape avec 2 doigts, je crois. Ouais. Non, c'est. Ouais, c'est double tape avec 2 doigts. C'est ça. Un peu plus chiant. Je vous propose que le prochain, on le fasse sur tablette. Genre, comme ça, on le change un peu, genre. Je sais pas, j'ai envie de changer. Par contre, il va falloir que j'installe tout ça. Hop. J'ai juste préparer tout ça parce que genre ça me demande genre 5 secondes de préparation, je reste avec vous, ça va pas durer trop longtemps, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Let's go. Je sors la tablette, je la mets devant. Ok. Il est en train de charger donc. Non mais je suis préparé hein. Mais c'est vrai que vous voyez ce que je suis en train de faire. Do you want to save to close your application? Ah oui, c'est fermé là. Ok, donc si je dis pas de bêtises, si je fais ça, ça, et que je passe en mode iPad, let's go! Ça charge, hein. Ça s'annonce bien. Attends, il y avait un truc en mode view, full screen. Top! C'est trop bien, ça marche giga bien, je suis trop content. Alors j'avais dit en début de live, genre, j'attends de voir un petit peu pour voir comment ça fonctionne.
Ça fonctionne bien, je suis content. Donc, tout ce qu'il me faut normalement, je vais juste faire Alt-Tab comme ça je vois ma ref parce que sinon genre je vais pas m'en sortir et je vais vous afficher la ref. Capture de fenêtre, ajouter une source existante, Firefox, boom. Hop. Non mais genre ce live c'est vraiment c'est trop un bon live, vous regardez trop la qualité là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Et s'il y a trop de choses qui se passent à l'écran, dites-le moi parce que genre c'est un truc que je peux genre gérer ça en mode enlever des trucs à l'écran s'il y en a trop. Alors j'ai dessiné sur Clipsio Paint, j'ai juste repassé sur Clipsio Paint comme vous voyez. C'est l'interface de Clipsio Paint. Sur tablette graphique, j'ai une Huion Canvas 13. 13 pouces, c'est cool. En vrai c'est grave cool pour travailler. Alors attendez, je mets juste dans un espace de travail plus agréable que pour moi. Je passe en facecam, je suis débile moi. Attendez, j'ai des câbles qui passent partout, ça devient infernal. Et c'est trop agréable de dessiner avec. Hop, iPad. Et en fait, le seul truc avec genre la tablette graphique, c'est que ça demande des équipements de ouf. Ça veut dire que j'ai de quoi dessiner. Hein. De base, je suis artiste, on peut dire ça comme ça à peu près. Enfin, c'est très relatif, hein. Mais j'ai aussi une tablette graphique qui s'appelle une Wacom Intuos Pro. Je sais plus trop, M, je crois. Je crois que c'est la M. Intuos Pro M, qui est grave cool. Et donc j'ai ces deux-là, une avec écran, une sans écran. Je travaille avec plein de logiciels, j'ai Photoshop aussi sur mon ordi que j'utilise pas de ouf pour dessiner parce que genre parce que je l'ai depuis 2 mois et que j'utilisais avant craquer et j'utilise juste pour faire du photomontage avant. Maintenant que je l'ai vraiment, dans le sens où j'ai la licence et tout, j'utilise pas de ouf pour travailler parce que genre j'ai plus l'habitude d'utiliser comment il s'appelle? Union Canvas, enfin pardon, Clipsio Paint, mais ça va venir en mode je vais faire des trucs avec. Vous allez voir, ça va être sympa. Un jour. Quand je prendrai le temps de le faire. Parce que la plupart du temps, je prends pas le temps de le faire. Et puis. En vrai, je suis un peu con. Mais c'est pas grave. Genre, voilà. Ok. Waouh, ça va être un peu du défi là aujourd'hui. Ok. Donc. Je pense qu'on va commencer avec sa tête. C'est un peu plus brouillon. Je suis un peu plus brouillon sur l'iPad. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai pris un iPad? Simplement parce que genre. J'ai réussi à reparler en même temps. En fait, j'ai pris un iPad simplement parce qu'en fait, je pouvais pas travailler en dehors de chez moi avec l'iPad. Il fallait absolument que genre j'ai un ordinateur pour pouvoir travailler parce qu'une Union Canvas 13, c'est une tablette graphique avec écran, certes, mais si on n'a pas d'ordinateur, on peut juste pas travailler avec, ce qui est vachement embêtant. Et c'était pareil avec l'autre, la Intuos Pro, où je pouvais pas travailler en dehors de chez moi parce que justement, genre, j'avais pas de matériel, etc., etc. Ce qui demandait beaucoup de matériel et ça me posait pas mal de problèmes parce que genre le fait de pas pouvoir travailler en dehors de chez soi, ça veut dire plein de choses que j'en se doute pas, mais comme par exemple si je pars, je sais pas moi, en voyage avec ma famille, je peux pas travailler là-bas. Si je décide de partir voir des amis en dehors de ma chambre, bah ça veut dire que je peux pas travailler là-bas. Si je décide de passer 2-3 jours avec des potes, ça veut dire que je peux pas travailler là-bas. C'est quand même super embêtant. Et donc très vite ça m'a saoulé entre guillemets. Et donc j'ai voulu faire quelque chose d'autre, de m'ouvrir vers d'autres horizons, et donc de prendre une tablette, un iPad pour pouvoir dessiner vraiment partout où je vais. Ce qui est trop cool. Alors, il y a une grande ligne qui vient se tracer ici, très mal dessinée, là, qui vient donc faire le prolongement de son coude. Je suis en train de faire n'importe quoi. Vous pouvez un peu plus voir tous les contrôles Z que je fais sur iPad, je pense. Et qui vient se mener jusqu'à son bras qui est à peu près vers là. On a quoi d'autre? On a sa queue de cheval qui est partout par là. Ça comme ça. On a son oreille qui est ici. Ouais. Là qui mène jusqu'à son nez à peu près ici. C'est très dégueulasse mais ça va se faire, hein.
Ça marque partout par là. Et pour le reste, en fait, genre, on a encore une fois le trait que je vous avais parlé tout à l'heure. Ce trait-là, là. Et donc ce trait-là, on le revoit ici pareil, qui part de l'oreille pour aller jusqu'aux bases du sternum, base du sternum qui est là. Ah, donc là. Et ensuite qui va venir se prolonger jusque là pour passer derrière. Derrière parce que genre, vu qu'elle est tournée, il y a une courbe qui vient. Ah, je vais tout bouger. Il y a une courbe qui vient se créer, donc ça va venir tout faire tourner en fait. J'ai dessiné quoi là? Une ligne simple. On va changer ça après. Hein. Ok. Donc là on a la fin de son t-shirt par ici, je dirais. Pour l'instant je mets en place. Hein. Vous souciez pas trop de si c'est pas beau ou si c'est joli ou pas. On va voir sa jambe qui est là, qui va tirer jusqu'à son pied, qui va être par ici. C'est très abstrait, hein. Je suis au courant. Tout va bien. Et donc. Donc il y a son bassin qui fait comme ça, un point ici, un point là, qui va descendre la jambe, genou, descendre, hop, pied. Essentiellement, c'est comme ça que je le vois. Mais très relatif. Ok, on continue. Donc là, on a son coude qui va venir là vers la main qui se trouve ici. Là, on va avoir volume de l'épaule, tac. Là, la fin du cou qui va descendre comme ça pour ramener sur l'épaule. Je suis en train de faire n'importe quoi. Et donc, ça va se prolonger comme ça pour mener jusqu'à la main qui se finit partout par là. Hop. Et on commence à comprendre en vrai, hein. Alors, ça y est pas encore, mais on commence à comprendre. Tout ça, vous pourrez le retrouver à la fin sur Instagram, si ça vous intéresse. Si vous tapez genre point d'exclamation Instagram, un truc comme ça. Je sais pas trop, c'est écrit dans les, c'est écrit dans la description. Sunday vous donnera genre mon Instagram, si vous le voulez. Et donc vous permettre de voir d'autres trucs que j'ai fait. Pas tout en live parce que genre pas l'occasion de tout faire en live non plus. Je suis con. Je suis pas encore trop habitué à dessiner sur iPad en live. Parce que la plupart du temps je dessine pas juste en regardant mon iPad. Enfin si je dessine en regardant mon iPad. Mais en live j'aime pas trop ça parce que genre. Je vois pas trop ce qui se passe après chez vous, enfin pour vous. Et en fait là on vient avoir le pied qui vient mener au genou. Genou qui se trouve partout par là. Et avec donc bas du bassin qui ramène au genou comme ça. J'essaie de voir les volumes hein, pour l'instant, je cherche les volumes. Yes. Bah merci beaucoup d'utiliser Sunday. Et donc voilà. Ça vous permet de voir un petit peu genre ce que je fais de temps en temps. Je suis pas très clair avec les commandes, je suis désolé. Hein. C'est juste que genre je les connais pas encore par cœur. Ça va venir. C'est moi qui les programme mais je les connais pas par cœur. Je suis un peu débile. Je trouve que même si c'est très brouillon, on a l'idée générale de ce qui se passe. Ça vient comme ça, qui descend. Je pense que peut-être son fessier un peu grand, mais je trouve pas ça si dérangeant que ça. Ça me choque pas de ouf. Ça comme ça. Ça qui revient là, avec son épaule qui part. Faudrait peut-être que. Wow, calme-toi. Faudrait peut-être que je dessine genre les traits qu'il y a autour d'elle. Parce que ça pourrait peut-être ajouter un truc en mode. J'ai des natifs qui arrivent. Faudrait peut-être que j'active un truc en mode. Voilà, ne pas déranger. Comme ça, vous voyez pas toutes les notifs qui se passent. Il va y avoir le trait du gymnase.
Je sais pas si je vais m'amuser à faire le quadrillage, mais au moins vous comprenez un peu ce qui se passe et comment je vois. Ouais. Non. Plus simple, c'est que je parte de là où il commence, il partirait de là pour aller ici, et il partirait de là, hop, plus bas, voilà. Serait trop bien s'il y avait la balle, en fait la balle se trouve ici. Juste à peu près, hein. Ça vous intéresse, peut-être que plus tard, prochaine fois, je ferai peut-être un truc sur Illustrator, on verra. Mercredi, c'est le live officiel, parce que là, c'est un peu un live sauvage, en mode, j'avais du temps, donc j'ai fait un live. Mais c'est pas normalement, genre, l'heure d'un live, ni le moment d'un live. Mais genre, si ça vous intéresse, peut-être que mercredi, on fera soit un truc un peu similaire, en mode dessin, soit Illustrator, si ça vous intéresse, pour ceux qui connaissent Illustrator. Parce que je me doute que ceux qui connaissent pas Illustrator ne savent pas de quoi je parle. En fait, pour faire simple, là, ce que je fais, c'est du dessin avec des pixels. C'est-à-dire que si j'ai un zoomé dedans, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, ce que vous voyez, c'est des pixels, donc des carrés. Quand on va dessiner, donc voilà, on dessine sur des images pixelisées. L'avantage qu'on va trouver à dessiner sur des logiciels non pixelisés, tels que Illustrator, et il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que Illustrator, mais Illustrator, c'est un peu un nom, hein, dans le domaine. L'avantage de dessiner sur ce genre de truc, c'est que on va réussir en fait à. Je suis en train de faire n'importe quoi. On va réussir à avoir des images sans pixels, c'est-à-dire des formes qui ne sont pas pixelisées. Et là, vous allez me dire, ça sert à quoi d'avoir des formes qui ne sont pas pixelisées? Ça sert en fait à avoir. J'ai à réfléchir à une façon intelligente de le dire pour pas que ça paraisse trop débile, la façon dont j'en parle. Qu'est-ce que ça permet d'avoir des formes qui ne sont pas pixelisées, qui sont des formes numériques? Ça permet à l'ordinateur donc de retenir ces formes et de les appliquer sur des trucs immenses. Par exemple, le souci c'est que si vous créez par exemple une image en 1920 par 1080, qui est parfait pour donc c'est ce qu'on appelle un ratio de 16 neuvième, qui est parfait pour genre plein d'écrans. Moi par exemple mes écrans c'est du 16 neuvième, hein, c'est du donc 16 neuvième, c'est le format écran. C'est-à-dire que normalement, en théorie, les téléphones sont au format 16 neuvième, les écrans d'ordinateur sont au format 16 neuvième, les télévisions sont au format 16 neuvième, etc. etc. Pourquoi ce format-là? Parce que c'est un format qu'on appelle standard, entre guillemets. Maintenant, aujourd'hui, les téléphones n'ont plus vraiment ce format-là, ils ont plus un format de 1.125, je crois, 1.125, qui correspond un peu au format des films cinématographiques, où c'est super allongé avec des bandes noires en haut et en bas. Donc ça, c'est le format 1.25, 1 par 1.25. Et si donc vous regardez un film cinématographique sur votre téléphone, les nouveaux téléphones, hein, bah, vous allez avoir l'écran qui est complètement plein, alors que c'est du format cinéma. C'est pas le point que je voulais aborder du tout. Je suis en train de me perdre dans les explications. Et en fait, pourquoi c'est important d'avoir des images qui sont donc faites de formes et donc pas de pixels, c'est parce que ça va vous permettre, si vous en avez envie, un jour, par exemple, de réutiliser cette image et de la passer sur des formats beaucoup plus grands. Pour par exemple l'imprimer sur des trucs que vous avez envie, etc. etc. Ok. Donc là, je dirais qu'il y a sa mèche de cheveux. Là, je mettrais son pouce. Il paraît immense son pouce. Sa main est immense. Ça va plus du tout. Je suis en train de faire n'importe quoi. En vrai, je trouve que ça doit être trop bien d'être joueur de volley. Je trouve que c'est un sport qui est genre magnifique à regarder avec plein d'actions, etc. Et je trouve ça juste dommage que genre. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. En vrai, je pense que ça, c'est dû à l'intérêt des gens, hein. On peut pas parler de tous les sports à la même hauteur, quoi. Faut que les gens y trouvent un intérêt. Et il suffit de s'y intéresser pour voir qu'en réalité, on en parle, hein.
Enfin, ce n'est que pure supposition. J'y arrive pas, c'est fou. Donc là, il y a son cou. Ça, ça. Non mais comme dit Soraville, ça pourrait être sympa. Après je sais pas encore ce que je ferai exactement. Comme vous savez, genre la plupart du temps les lives je les prépare genre 2 heures à l'avance je pense. Enfin, je commence à les préparer 2 heures à l'avance. Alors des fois c'est des lives que ça fait longtemps que j'ai envie de les faire, donc ils sont un peu préparés plus vite que ça. Il y en a certains qui demandent plus de recherche, et donc je les fais pas tout de suite. En vrai, j'ai plein d'idées de live à faire avec vous. Le seul souci, c'est aussi, genre, il y a plein d'autres soucis qui viennent se poser, comme par exemple la logistique, ce genre de trucs, que j'ai pas forcément. Mais ça va venir. Un jour, j'aimerais bien vous emmener en tournage. C'est-à-dire que j'aime trop faire des montages vidéo et des trucs comme ça. Seul souci, c'est que genre, j'ai pas la capacité pour l'instant de vous emmener avec moi sur ce genre de trucs. Sur des tournages vidéo assez simples, hein, des trucs basiques que je fais genre, juste pour moi, entre guillemets. Mais j'ai pas encore les capacités de vous emmener avec moi là-dedans. Et un jour, j'aimerais bien avoir les capacités pour vous emmener dedans, avec moi. Parce que je me dis que ça pourrait être genre trop sympa. J'ai pas trop, hein. C'est pour l'instant c'est un peu genre, c'est un peu pas du tout clair, mais c'est normal. Je suis en train de chercher la touche E de mon PC, genre. J'essaie d'avoir les bonnes courbes entre guillemets, dans le sens les bons bonnes perspectives. J'ai un peu de mal à ça. Sur celui-là. Je pensais que c'est le pied qui me poserait le plus de problèmes, finalement non. C'est pas du tout le pied, genre c'est son visage. Le fait qu'il soit affiché en petit et tourné de trois quarts, genre vachement du mal. Trop de. Maintenant je me rends compte, mais genre. Ah, ça me saoule ces petites erreurs comme ça. Genre, il file un petit truc pour que, genre, ça parte un peu en couille dans le sens où, genre, ce soit pas parfait, ça me saoule. Dans le sens où, genre. Voilà, là c'est plus correct, je trouve. À mon sens, comme ça, c'est un peu plus correct. Sa poitrine est trop basse là. On devrait avoir un truc un peu. Proche de ça pour sa poitrine. Trucs qui font comme ça parce que, genre. Parce que justement elle est tirée vers l'autre bout. Très bizarre ce que je fais pour l'instant, je suis désolé. Je vais en prendre. Prendre mes marques sur le dessin. J'ai des traits droits alors que c'est du muscle. C'est très con. Ok. Je suis fatigué. Je vais boire juste un peu d'eau. J'ai coupé mon micro parce que genre c'est trop bizarre quand je bois de l'eau. Traumatisé avec des bruits de bouche, même si je sais que genre mon micro est tant ultra proche de ma bouche,
Je ne peux éviter le fait que vous en ayez un petit peu, dans le sens où, genre, si je respire ou quoi que ce soit. Et ça me met déjà assez mal à l'aise comme ça de savoir que potentiellement vous pouvez entendre des bruits de bouche que je peux faire. Et je pense que ça doit déjà vous mettre assez mal à l'aise de les entendre. Donc j'ai pas envie d'accentuer ça. Là, je trouve que son bras est vachement intéressant. Plus intéressant que l'autre, même si l'autre aussi laisse ce même truc là. Proche de là, se terminant par ici. Tout ça, c'est noir. Par contre, chose que je peux faire, c'est envoyer des images de l'un à l'autre, et ça peut être trop cool. Non, t'inquiète. Je dis ça comme si ça arrivait souvent, et genre, t'as juste pas envie de l'avouer. En mode, non, t'inquiète. Et genre, c'est un peu flippant en vrai. Je sais pas, moi ça me fait flipper. C'est pas un truc que j'apprécie, et ça me met mal à l'aise, genre. Je suis pas une personne des plus discrètes, disons ça comme ça. Et donc, je sais pas trop. Je sais pas comment les autres streamers ils font en vrai. Ça, par contre, ça, je sais pas. Genre, je sais que genre il y a certains streamers ils s'en battent les steaks. Mais il y en a d'autres genre qui font plus attention. Je sais pas trop comment ils font. Genre quand on regarde du Wankill par exemple. Ok. Ok, si c'est pas dérangeant, ça va, parce que genre. Genre, quand tu regardes du Wankill, genre. Des fois, il se passe des trucs, genre. Un peu sales, en mode. Très sales. Et puis, leurs anecdotes, des fois, elles sont trop gênantes. J'adore regarder Wankill, mais genre. Il y a des fois, je préfère être seul dans la pièce quand je les écoute. Ou quand je les regarde juste en général. Parce que ça peut partir tellement vite en couille avec les deux là. Et en train de penser à eux plutôt qu'à dessiner, donc ce qui fait que genre j'arrive pas à me concentrer. Mais ils font des lives trop bien. Et je sais que eux, genre, moi ils s'en foutent complètement. Et je sais pas si je devrais appliquer une politique un peu similaire. En m'en fichant un peu. Oh, je sais pas. C'est quand même vachement dérangeant. Je sais pas trop. Je vais être trop bas. Un peu plus comme ça. Vous allez voir, quand je vais ajouter des détails, ce sera mieux. Là pour l'instant, je suis en train de rechercher mes repères. Et vu que je suis en train de rechercher mes repères, ça me prend un peu plus de temps. Par contre, ça c'est une bonne habitude à avoir, en mode savoir dessiner sans regarder son écran de tablette graphique, c'est un truc que genre qui m'a de nombreuses fois sauvé la vie. Et qui s'apprend pas facilement, mais quand même grave cool à savoir, parce que genre c'est quand même grave cool à savoir en général. Et rares sont les gens qui ont tout fait avec une tablette graphique, avec écran, qui savent le faire. Et si vous avez l'occasion d'apprendre à le faire, ça peut être vachement pratique, parce que revenir à une tablette graphique avec écran, c'est super simple. Faire l'inverse, c'est super dur. C'est pour ça que je trouve vachement intéressant le fait d'apprendre à le faire. Ça me plaît un peu mieux. On va à la fin de son. C'est là la fin? Non. À peu près. Comme ça, vous voyez un peu mieux ce que je suis en train de faire. Yes! C'est déjà ça. On devrait avoir sa chaussure qui fait comme ça. Ça. Approximativement. En fait, là, on a la fin de sa chaussure, mais j'aurais du mal à dessiner. Ça me paraît bien. Dans ce sens, c'est pas trop mal. La balle, elle me paraît énorme, par contre. La balle, elle fait 3 km.
J'enlève mon gant parce que, genre, le gant sur tablette graphique du style Ion, etc., c'est trop pratique. Genre, la main elle glisse dessus et tout, c'est genre trop agréable. Sur tablette, c'est pareil. Le seul problème, c'est que, genre, quand tu veux faire des mouvements de doigts avec la tablette et que t'as le gant, c'est juste pas possible parce que, genre, il détecte pas bien tes doigts. Donc, c'est pas agréable. Par contre, là, ma main elle commence à, genre, j'ai pas collé l'écran, mais, genre, un peu quand même, genre, trop bizarre. Donc ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Je pense que je vais passer à plus de détails parce que... Parce qu'en vrai on avance bien. Et on se débrouille bien en plus. Donc je suis content. Hop, j'ai zoomé dedans. Et maintenant je vais réfléchir un peu à ce que je fais parce que faut pas que je fasse trop le con non plus. Juste augmenter un peu la... Parce que sinon je vais pas m'y repérer. Je vais pas m'en sortir. Alors, je pense que je vais commencer par la tête. Ça serait ce qu'il y a de plus intelligent à faire, je pense. Mon seul souci, ça va être au niveau de genre de ses bras. Genre, je pense pas être vraiment juste. Ouais. Ok. J'ai commencé doucement et puis après on va voir. L'impression qu'elle a genre des tout petits yeux. Pas trop bizarre. Je dirais pas qu'ils sont fermés, mais genre ils sont vraiment petits quoi. C'est pareil, j'arrive pas à bien voir ses lèvres. Je suis en train de faire de la merde. Ah. The Voice, là j'ai un peu du mal. Je reste honnête, vous voyez. Genre là j'ai un peu du mal. Je pense que ça part comme ça revient ici. Je me suis tellement mal pris avec le t-shirt que genre... L'oreille est immense par rapport à ce qu'ils disent vraiment. Cette année-là. Alors, le visage est beaucoup plus grand que ce que j'avais dessiné de base. C'est vrai. Mais ça me paraît plus juste. Par rapport à la réalité. Un peu plus comme ça. Après, elle est en plein mouvement, elle est en pleine action, genre tout va vite et tout. C'est un peu difficile à savoir et à voir. Queue de cheval est pas pareil par contre. Queue de cheval devrait plus arriver par là. Se terminer par ici. J'aime bien prendre du recul, regarder un peu de loin. Pour vérifier que c'est pas trop n'importe quoi ce que je suis en train de fabriquer. Ce qui arrive trop souvent le moment où genre je finis. Et je suis en mode, ok, là c'est parfait. J'ai vraiment tout donné. Et puis genre... 10 minutes plus tard, genre je repasse devant mon dessin et je suis en mode putain, t'es trop con. T'as oublié l'essentiel. Et j'aime pas quand ça arrive en live parce que vous avez du recul parce que vous êtes pas en train de dessiner. Et moi j'en ai pas parce que je suis tellement focalisé dessus que genre j'en oublie de vraiment regarder quoi.
très bizarre ce que je suis en train de faire avec les doigts. Mais je crois en moi. Je devrais pas. Le pouce, ça va. J'aime bien le pouce. C'est une articulation assez bizarre que j'aime bien. N'importe quoi, évidemment. Attendez. Il y a un truc qui pourrait m'aider qui s'appelle genre. Mais je veux pas du tout le curseur du pinceau là. Ok. C'est pas grave. Je pensais que ça pourrait m'aider, mais finalement pas du tout. Donc je suis un peu déçu. Je vous cache pas ma frustration. La vie c'est de la merde. Pourquoi je dessine en live? C'est une torture personnelle. En fait, je suis torturé à partir du moment où j'arrive pas à faire ce que j'ai envie. Je vous emmène dans ma torture personnelle. C'est mon enfer à moi. Mais en fait, je lui donne pas assez d'espace ici. Ça devrait faire un truc un peu plus comme ça. Je suis trop con pour le voir. J'ai fait des muscles énormes qui n'ont aucun sens parce qu'après il n'y a plus de place pour l'épaule. Plus de place pour l'épaule, j'ai dit. Là, on a une jolie épaule. Je fais ça comme ça pour l'instant. Ça me rappelle un peu de TikTok et tout. Je sais pas, bizarre. Hop. Genre, j'essaie de tracer les droits correctement, de pas faire trop de merde derrière tout ça, mais c'est pas grave. On y va un peu, oui. J'avais pas feeling, mais un peu quand même. C'est genre un peu particulier, c'est un peu genre bizarre. On va s'en sortir. Et un truc important de la main, c'est la fin de la main pour marquer le début de l'avant-bras. Ouais. Je pense qu'au niveau du trait, j'étais pas trop mal. Je situerais par là. Et la fin, je la mettrais. Oups, pas du tout là où j'ai mise. Plus par là. Ça me paraît mieux comme ça. Un truc un peu plus comme ça. Je sais pas si vous voyez ce dont je parle. Mais moi je suis content en vrai. Ça commence à un peu plus ressembler à quelque chose que tout à l'heure. Et ça, c'est bon signe, ça veut dire que, genre, entre guillemets, on s'améliore un peu. Je pense que sa poitrine, je l'ai fait trop. Beaucoup trop haute. Là, ça me paraît mieux. Des fois, je suis un peu trop focalisé sur le. Sur le sujet que je suis en train de dessiner, tellement focalisé que j'oublie de faire des traits naturels. Et c'est un peu difficile à expliquer, mais vous verrez un peu plus tard dans mon live. Ce que j'appelle vraiment très naturel sur iPad. En vrai, ce que j'aime bien sur iPad, c'est que j'ai vraiment cette sensation de genre très naturel. Ce qui est très agréable. Vous verrez. Pour l'instant, c'est peut-être une notion qui vous paraît abstraite. Je comprendrai. Mais croyez-moi, ça prendra tout son sens. Son bras est un peu flou, j'ai l'impression.
plus comme ça. C'est peut-être fou ce que je raconte, mais des fois j'ai vraiment l'impression que genre je suis vraiment de la merde. On verra ça tranquillement. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de... En fait, j'essaie de matcher les deux images dans ma tête pour qu'elles gardent, parce qu'en fait, le problème sur iPad, c'est que tu peux tourner super facilement. Et en fait, des fois, le souci, c'est que genre, je me rends pas compte dans où est-ce que je suis. Et du fait de pas savoir où est-ce que je suis un peu perdu dans mon espace 3D de ma tête. Ce qui fait que j'en viens en faire de la merde, en fait. Parce que justement, je sais plus vraiment où je suis. Et donc, ça crée un peu n'importe quoi. Donc ça c'est bon, il reste plus que le pouce, tac. Elle guide d'une main, s'apprête à taper de l'autre. Ça me paraît vraiment pas trop mal. J'ai continué à aider un peu... En zoomant ce genre de truc pour je regardais un peu tous ces détails. Parce que je sens qu'il faut que je garde un peu tous ces détails et tout. Parce que sinon après le dessin va être un peu dommage et... Je vais pas dire raté, mais genre... S'il y a moins de détails, forcément, ça sera un peu moins fou. Dans le sens où genre... On aura moins de choses à... apprécier dans le dessin. Ce truc qui me dérange là, c'est la façon dont j'ai fait le dos. Qui me paraît... pas forcément très juste en fait, et ça me perturbe un peu. Comment est-ce que j'ai fait ça moi? C'est-à-dire que de base, si on le prend, ça voudrait dire que genre ça fait genre ça. Ça. Mais après, genre, c'est censé faire ça, ça, ça. Revenir ici. Et donc revenir là. Là, on est mieux, non? Si je devais tracer la ligne qui est là. Tac, ça fait un truc un peu comme ça. Corps qui ramène à des lignes qui font comme ça, qui ramène de l'autre côté, parce que justement, vu qu'elle est en torsion, toutes les lignes de son t-shirt vont dans ce sens-là. C'est pas simple. Où est-ce que ça donne à peu près pour l'instant? Franchement, je trouve qu'on n'est pas trop loin, dans le sens où on se débrouille bien. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Et là, on va s'attaquer aux jambes, je pense. Et ça me pose un peu de problème parce que, genre, les jambes sont pas simples à faire en vrai. Ce qui me fait le douter le plus, c'est vraiment son. Ses pieds. Je sais pas, on va voir. Donc, on va le dire clairement, on a ses fesses. Avec. Là, la deuxième qui vient ici et mener jusque là, on sait pas trop mal. Là, on va voir la deuxième ligne comme ça, et là, on va voir l'élastique, enfin ce genre de truc quoi. Ça pas trop mal. J'essaie de mettre un peu de détails dans sa chaussure, on va voir ce qu'on arrive à faire. On va voir genre. Une sorte de cercle. C'est un peu particulier. C'est basket, c'est les chaussures de basket de volley. Hein. De volley, je m'y connais pas du tout. Ouais.
truc un peu crée comme ça, mais ça me perturbe encore beaucoup parce que genre là il y a ça, là il y a ça, et là ça part pour le reste de sa chaussure. Un truc un peu comme ça quoi. Mais je trouve ça tellement incompréhensible graphiquement. Ça sympa. En fait, j'essaie de te comprendre les courbes qu'il y a. C'est pour ça que je fais ça. Si je fais ça là, là je peux me permettre de revenir jusque là. Et de faire son truc qui vient là. Et même je dirais peut-être qu'il est même un peu plus bas. Enfin, c'est à peu près dans le même délire. Même si genre ça c'est trop bizarre ce que j'ai fait là. Que je vais le refaire. Même toi j'aimerais te refaire. Ok. Ça fait ça. Ça, ça. Ta 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 ta. Ouais, ça c'est cool. J'avais peur qu'on s'en sorte pas du tout. Ça va, on s'est à peu près débrouillé, hein. Et j'aime bien dire à peu près débrouillé, parce que genre, c'est vraiment pas parfait. Pour une première fois sur iPad avec Twitch, je trouve qu'on s'en débrouille pas trop mal en vrai. J'espère que ça bug pas trop de votre côté. Pour l'instant, ça m'a l'air pas trop mal en termes de débit, ce que j'ai. L'avantage que j'ai, c'est genre pour l'instant je suis tout seul à la maison. Donc ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. J'espère que ce sera régulièrement comme ça parce que, genre, j'ai l'impression que les conditions sont assez bonnes. Et ça me plaît bien de faire des lives dans de bonnes conditions. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, où c'est pas forcément en très bonne qualité, ni définition, ni quoi que ce soit. Et là, me dire que c'est plutôt de bonne qualité et tout, ça me fait plaisir. Je suis en train de faire des gribouillis un petit peu, mais c'est pour placer des trucs, hein. Complètement décentré, je suis désolé. Je dessine un peu dans ma tête là. C'est un peu bizarre à dire, mais en mode je place des volumes dans ma tête pour pouvoir savoir où est-ce que je vais en fait. Et un peu comme tout à l'heure, genre tac, je sais que là il y a un trait, là il y a un truc qui vient par là. Ça va venir comme ça ici, ça comme ça. Ça comme ça, ça comme ça. Franchement, je trouve qu'on s'en sort bien. J'aimerais juste peut-être, attendez, l'agrandir un peu. Peut-être refaire 2-3 traits pour qu'ils soient un peu plus jolis. Comme par exemple les traits là derrière. Voilà, ces traits-là. À peu près ici. Lui part à peu près de là pour aller jusque-là. Et en bas. Yup, il part de là pour aller ici. Ça, c'est le très haut. Le très bas est à peu près là. Ça c'est le très haut. Et le très bas il est à peu près là. Ça me paraît pas trop mal. Je suis assez content avec ça. Je vais passer à une dernière étape qui. Dont je vous parlais tout à l'heure, des traits un peu plus.
sensible et juste dans le sens où, genre, je vais prendre une mine d'ancrage. Peut-être celle-là. Et je vais venir ancrer tout ça avec, genre, grâce à mes références, etc., pour avoir quelque chose d'un peu plus propre et de plus joli et de plus artistiquement cool. De façon à ce que vous puissiez kiffer proprement ce qu'il se passe, sans vraiment être dérangé ni quoi que ce soit par qui que ce soit ni quoi que ce soit. Et donc, on est parti là-dessus. Ok. Alors, pour faire ça, juste peur que genre tout casse et tout, ça fait trop flipper ça par contre. Je suis en train de me concentrer, je suis désolé. L'avantage d'une pointine, c'est qu'on peut passer dans vachement plus de détails. Le seul truc dont j'ai vraiment peur, c'est partir dans tellement de détails que genre j'invente plus que ce qui n'existe. Donc je vais peut-être partir avec du syrup qui est un peu particulier, mais je l'aime bien. Vachement trop beau pour le coup. Je me concentre 5 secondes. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et on est parti. Le sirop a ses désavantages quand même. Dans le sens où, genre, très vite, il passe d'une mine très grosse à très fine. Non pas qu'il faut s'y connaître ni quoi que ce soit, mais genre. Ni qu'il faut maîtriser ni quoi que ce soit, mais genre. C'est pas la mine la plus simple à utiliser. Désolé, j'ai mon cerveau qui bug. Enfin, c'est pas vraiment mon cerveau qui bug, c'est plus que genre j'ai un truc dans l'œil. J'ai pas envie de me frotter l'œil parce que je sais ce que ça va faire. Essentiellement, je sais ce qui va se passer. C'est qu'après, je vais avoir encore plus mal à l'œil, etc., etc. C'est une réaction en chaîne, ce truc. C'est un peu comme gratter des boutons de moustique. Au début, genre. Ça donne envie, mais à partir du moment où on se lance, c'est plus possible de s'arrêter. Parce que en même temps, ça donne plus envie et ça soulage en même temps. Ce qui crée un paradoxe du cerveau qui fait que ça me donne encore plus envie de le faire. Et au fur et à mesure, genre, on décède sous le fait de devoir se gratter. Ah, et j'aime pas ça. J'aime pas tomber dans la tentation de ce genre de supplice qui sont les moustiques. Ni de me gratter l'œil. Même si je sens qu'il faut que je le fasse et que j'ai trop envie de le faire, faut pas que je tombe là-dedans. Parce qu'après, une fois que je serai tombé dedans, je pourrai plus sortir de ça et ça va me saouler. Je sais pas trop. J'aimerais peut-être la rendre un peu moins. Ah ouais, comme ça rend mieux, non? Pour moi, comme ça rend mieux. J'enlève un peu de menton, ça fait quand même du bien, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas que je sais que c'est pas exactement comme ça, mais je trouve que ça rend mieux. J'aime bien jouer un peu avec entre la différence entre. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est genre à faire. Parce que je sais que ça rend mieux ainsi, mais je sais aussi que genre, vu que ça rend mieux ainsi, genre, c'est pas le top, c'est pas le top du top. Mais bon. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Moi, je kiffe faire ce live et genre, je suis trop content de pouvoir faire ce genre de live avec vous parce que genre, il y a encore quelques. J'ai pas envie de dire moi, mais il y a encore quelques. Ouais, il y a encore quelques mois, oui. Excusez-moi. Genre, il y a encore quelques mois, genre, ça aurait été
impossible à faire avec vous. Dans le sens où mon débit internet n'aurait pas été assez bon et puis ça aurait pas été d'une qualité suffisante pour que ça soit intéressant pour vous. Et ça aurait vraiment pas été top. Et donc je suis content de vous présenter un truc qui soit qualitatif sans être trop chiant à présenter. Je sais pas si c'est trop clair. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. On continue avec ça. Alors là, j'ai oublié un trait, mais c'est pas grave. Je sais qu'il est par là. Je crois. On va dire qu'il était par là, parce que ça, je trouve que ça rend mieux par là. Avec la musique et tout, c'est trop bien. Bon, là, on continue. Vous allez voir un peu plus mes cheveux sur le coup. Parce que je suis tellement concentré dans ce que je fais. Et vu que l'écran est un peu bas par rapport à ma webcam, je peux pas m'amuser à tout le temps, genre. Ne pas regarder ce que je fais. J'arrive pas à faire le bras, c'est fou quand même. Je passe dans un mode où je suis genre désespéré, à ne pouvoir rien faire et n'arriver à rien. Ça me saoule un peu. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. L'ancrage est trop bizarre de ce que je suis en train de faire. Les mains sont trop chelou. Ah, ça me bouffe le fait de pas réussir à faire ce que j'ai envie et puis en même temps de genre galérer à faire ce que je veux faire. Ça me fatigue. L'ancrage est trop bizarre. Je pense qu'on va rester sur l'autre. Supprimer, j'ai juste repassé le pinceau sur lequel j'étais tout à l'heure. Remonter la pistée. Et genre, juste modifier ça parce que ça me stresse de ouf. Genre, un peu moins de menton, ça sera mieux. Ensuite la deuxième natte, stress, appelez ça comme vous voulez. Après j'ai juste gommé un peu ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il n'y a pas, genre ça va pas. J'ai juste amélioré ces traits-là. C'est pas le meilleur qu'on a fait de l'après-midi. Hein. On a fait 4, je trouve ça déjà pas mal. Ça reste quand même un bon live où on a fait pas mal de trucs ensemble. Oh, mais par contre, pas de désespoir ici. Désolé, désolé.
Désespère facilement en vrai, enfin, c'est ce que je fais parce que genre... c'est trop compliqué le dessin, vous savez. Par contre, j'ai grave envie de voir le timelapse. Un truc qui est cool sur Procreate, c'est qu'on a la possibilité de voir le timelapse et je trouve ça genre trop bien parce que genre on voit nos listes de construction, la façon dont j'ai progressivement construit le modèle, que je vous ai parlé de trucs à côté, et puis après que je suis venu construire le reste quoi. Non, je trouve ça sympa. Je trouve qu'on, franchement, on s'en est bien sorti et que. C'est vraiment sympa. J'ai juste accéléré encore un peu. Oui, toute cette partie-là, on l'a pas gardée. Chose que je pourrais faire par contre, qui pourrait être sympa, c'est genre ajouter 2-3 trucs en mode un peu plus sombré pour refaire penser à ce qui se passe dans ce qui se passe dans la photo avec ces parties un peu plus sombres de son maillot. Comme ça crée des repères visuels qui font que tout de suite on reconnaît que c'est la même chose. Parce qu'il y a des parties sombres aux mêmes endroits. C'est une petite technique que je vous donne comme ça gratuitement. Enfin, tout ce que je donne c'est gratuit donc. Hop, hop. Et je vais faire pareil en bas, comme ça c'est fait. Hop, je suis un peu plus large parce que vu que je bosse sur un calque qui est différent, je peux m'amuser à partir un peu plus loin. Par contre, j'ai vraiment trop foncé. Je suis allé un peu trop fort. Je peux m'amuser à partir un peu plus loin et après gommer ce qui est autour. Ce qui donne un effet un peu plus clean que si j'avais essayé de m'arrêter pile au bord. Voilà. On obtient quelque chose de pas trop mal en vrai. Et désolé si j'ai un peu baissé les bras sur la fin. Je suis désolé. J'ai pas abandonné le dessin. J'ai juste sacrifié une partie de celui-ci. En n'allant pas jusqu'au bout comme j'aurais pu y aller. Il est vrai. Mais j'ai fait ça pour la bonne cause, vous savez. Parce qu'après, sinon, on m'aurait vu partir en live. En mode. Parce que des fois, je suis un peu trop perfectionniste et ça peut être chiant pour vous parce que, genre. Là, je me retiens un peu parce que, genre, je sais que je suis en live, etc., etc. Ça me permet d'avancer vite aussi, de pas être perfectionniste. Mais en fait, genre, si on me retient pas, genre, je suis capable de refaire 3 fois le même dessin parce que, genre, ça m'a pas plu, etc., etc. Là, déjà, je trouve que c'est mieux, ça, genre, ça donne un effet un peu cool. Et seul truc que j'aurais voulu gommer après, c'est ça, là. Les traits qui font pas du tout comme ça. C'est pas du tout pro, ça, dis donc. C'est pas trop mal. Je pense que le timelapse ira peut-être sur pas sur TikTok, mais sur les Reels de Instagram, parce que genre, je trouve ça sympa à faire. Puis ça ramène de l'ambiance, de l'audience. Même si je fais pas la promotion de ma chaîne Twitch sur Instagram. Voilà. Ah, j'y arrive pas à gommer. Enfin voilà. Je trouve que c'est déjà sympa. Si je devais résumer tout ce qu'on a fait, pour vous montrer un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a été capable de faire en l'espace quand même de près de 3 heures. 3 heures, 4 dessins, qui nous fait une moyenne de 0,75 dessins, à peu près, hein. Enfin, je suis pas dans les calculs très mathématiques ni quoi que ce soit. Donc on a fait celui-là, qui est vraiment cool. Ensuite, on a fait sur Ion, hop, on a fait celui-ci, qui est genre trop stylé avec ses abdos et tout. Celle-là, danseuse. Et enfin, la dernière, enfin la première en l'occurrence, celle-ci pour nous un peu nous warm-up et nous mettre dans le bain, etc., etc. Alors, je suis d'accord avec vous sur un point, genre la dernière est un peu moins bien, mais je sais pourquoi, c'est parce que genre, la photo étant vachement petite et pas beaucoup de détails, contrairement aux autres photos que je peux avoir sur, attendez, je vais passer sur l'écran principal, là dessus j'ai genre
plein de photos et c'est pas vraiment le plus adapté à pouvoir faire du modèle vivant. Celle-là aurait été plus adaptée, j'aurais pu mettre plus de détails. Et pareil pour toutes les autres, parce que vu que ce sont des photos un peu de modèle, ils font en sorte de détacher le modèle du fond. Là, c'est pas du tout le cas. Le modèle est imprégné dans le fond, il nous fait pas face, etc. Je trouve que c'était un bon défi de dessin, mais qualitativement, merci Soraville pour ton soutien. Et merci de rester jusqu'au bout. Merci d'être resté tout le long. Ça me fait très plaisir. Très plaisir d'avoir une audience à qui m'adresser. Très plaisir de pouvoir discuter avec des gens. Et très plaisir que tu sois là parce que, genre, tu m'as fait passer un très bon live. Pourquoi pas la prochaine fois en dessinant un chien? Je sais pas, je trouve ça mignon. J'adore les. Ce sont des chouchous. J'adore ça. Si je devais avoir un chien, je pense que ce serait un chouchou. Prochaine fois, on recommence ça. On fait un truc de même durée, hein, pas trop long non plus. Quelques heures en mode. Entre 1 et 3 heures. Et peut-être un peu plus tard le soir, je sais pas trop. En tout cas, la prochaine fois, on se refait ça. Tous les dessins partiront progressivement sur Instagram. Peut-être tous d'un coup, parce que j'aime bien genre faire des sortes de collections où je montre un peu ce qu'on a fait. La prochaine fois, on se retrouve avec plus de trucs, plus de créations, plus de trucs et tout. Et donc, je suis content que vous soyez là. Et j'espère vous retrouver la prochaine fois, parce que ça va être un live vraiment sympa. Et donc, j'espère vous retrouver. Pour ce genre de live. Donc ça me permet de conclure ce live et de vous dire de passer. Oula, mes cheveux prennent trop de volume, c'est incroyable. Ça me permet de vous conclure ce live et de vous dire de passer une bonne soirée, de passer un bon moment et de vous proposer de se retrouver la prochaine fois pour un live tout aussi qualitatif, voire encore plus qualitatif, avec plus de choses à vous présenter et plus de choses à vous montrer. En espérant que cela vous convienne et vous plaise. À bientôt, Soraville. Merci beaucoup d'avoir été là. À plus.